Yo YouTube, c'est Sean Kazma et Géode. Et Géode, comment tu vas ma petite Géode? Mais ça va très bien et toi Et Géode? vous? Bah écoute, moi ça va très très bien, merci beaucoup de t'en inquiéter. Et vous du coup jeunes gens, parce qu'on coupe pas la parole, c'est pas bien, invité Oh, c'est ou toi qui non. dis ça? Oui, non mais moi je peux parce que je suis le maître du Oui, jeu, bien le sûr. maître du donjon, le Bien maître sûr. du samedi, dimanche, Big Fish, puisqu'aujourd'hui jeunes gens on se retrouve exceptionnellement pour un épisode spécial qui n'apportera rien de plus que les autres, c'est juste que, eh ben on tourne un dimanche au lieu d'un samedi, c'est-à-dire que cette semaine on a été vachement pris pour cause de travaux, De trois veaux. de travaux, et du coup bah voilà, on a pris du retard, on a dit qu'on décalait exceptionnellement le samedi Big Fish au lendemain. De toute façon au pire si on continue les travaux aujourd'hui on aurait remis ça au samedi prochain parce que sinon ça aurait été trop chiant de tourner ça le lundi, de poster ça en semaine. Bref, ça aurait été du grand n'importe quoi. Aujourd'hui on est sur Outer World, les présages de l'été. Le véritable dernier épisode, enfin le véritable dernier épisode du jeu, enfin de la licence, puisque normalement il y en avait 4, puis finalement il y en avait 3, puis je suis C'est le totalement bordel. embrouillé dans la chronologie. C'est-à-dire que la semaine dernière, qui était donc l'épisode 4 de Samedi Big Fish, on a joué au premier épisode qui portait le nom du quatrième jamais sorti. Voilà, on ne reviendra pas un débat là-dessus, vous avez qu'à aller voir la dernière vidéo, vous comprendrez. Aujourd'hui, on joue donc au troisième épisode sur l'été. C'est Et tout. c'est tout. Voilà, normalement, l'ombre est emprisonnée, le chasseur de l'ombre n'existe plus, je crois qu'il a été terrassé. Et Fiona a été libérée aussi, en fait, tout va Bah mieux dans ouais. le meilleur des mondes. Du coup, on fait quoi dans cet Du épisode? Eh coup, ben, je je sais pas me du demande, tout. parce que quand on a allumé le jeu, c'était marqué que ce conte de fées n'était pas adapté aux enfants de moins de 14 ans. Donc je me C'est demande ce qu'il vrai. va y avoir. C'est vrai. Alors D'ailleurs, si vous c'était. avez moins de 14 ans, ne regardez pas la vidéo. Non, mais c'est le seul, en fait, parce que les deux autres, il n'y avait pas ça. Ouais. C'est. Voilà, c'est une Va y avoir du nouveauté. sang! Eh ben écoute, on va se lancer une partie. J'ai pas fait de test son, En normalement c'est tout normal. bon. On se lance en normal. Et comme Oh! d'habitude, je ne saute pas les cinématiques parce que. Parce que. Enfin, c'est pas que Last je saute pas les spring, cinématiques, c'est I juste moved to que. an old house in the countryside. Que voilà. I hoped for a J'ai quiet l'impression de life, relancer le même jeu que but le premier en instead I fait. stumbled upon another world, C'est hidden le décor du from the premier, ça en est Oui, ça d'accord. c'est ce qu'on a vu. Ok. It was a world of dark fey magic, few had ever Ah, c'est ça en fait, seen. ça résume les I événements. met a young girl named Fiona, who was trapped by an evil creature called the Shade. I saved her, and now Fiona is under my care. Even as I hug Fiona close, I know she is still in danger. The Shade wants to cast an eternal winter and rule over our world. Fiona and all other human beings born with magic stand in his way. Fiona told me her teacher, Ms. Thomas, can help her stop the Shade. We've arrived at Fiona's old school to look for her. I can only hope we're not too late. Cette animation pourrie. Est-ce que tu veux doubler ou est-ce que je double? Non, vas-y. Un vol de corbeau. Chapitre 1. C'est à Bienvenue moi. à Otherworld. Voulez-vous suivre un tuto? Je dis non. Par contre, oui, du coup, c'est à toi de jouer. Alors, Oui. moi, je voulais juste revenir sur un truc par rapport à l'hiver éternel, puisque. Et bah, vu que le jeu est jamais sorti, techniquement on n'aura jamais le fin mot de toute cette histoire. On saura jamais comment ça termine, on saura jamais si l'ombre a réussi à vaincre Fiona, si l'ombre a été vaincue véritablement. On sait pas. Tout ce qu'on sait par contre, c'est que Fiona a véritablement perdu ses parents dans le premier épisode, et ça c'est véridique, hein. Je veux dire, ils ne reviendront pas, ils sont morts, ils sont. On a retrouvé leur cadavre de toute manière dans le premier Otherworld. Et Elle du avait une grande coup, sœur? faut croire. Faut croire. Mais peut-être que cette grande sœur c'est toi, mais que tu ne le sais pas. Regarde Ouah, c'est l'aube gobelin! Trop mignon! Qui cachait une fleur ainsi qu'une clé de la boîte à gants! Et du coup, ça c'est ta voiture en fait, t'avais paumé toi-même les clés. Quand j'avais le don de. J'ai pas eu l'entendre dire. Pardon, désolé. Non, mais c'est pas grave. Quand j'avais le don de vision, c'était plus qu'un papier blanc. Ah oui, du coup, est-ce qu'on a toujours le don de vision? Parce que rappelez-vous, pour les personnes qui découvrent Otherworld aujourd'hui, il y a le monde normal, et une fois qu'on active une amulette magique, magique, on se retrouve au même endroit, mais transformé façon Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Tu fais les papiers? Comme ça. Ma petite Fiona, je viens pour t'aider. Reste où tu es si tu peux. Va voir l'épouvantail de l'école, Madame Thomas. Voilà, donc Ok. ça, on doit retrouver Madame Thomas qui apparemment saurait 2-3 trucs sur les événements actuels. D'ailleurs, Je pour les ramasse tout personnes et n'importe qui quoi. découvrent le principe de Samedi Big Fish, en gros. On fait le jeu en une seule fois. Si vous trouvez que ce pavé de vidéo fait 4 heures, c'est parce qu'en fait, en intégralité, on fait le jeu. Voilà. Alors, je dis 4 heures, peut-être qu'il en fera plus. Hein, je sais pas. Par contre, c'est bien ça, les écritures en jaune pour savoir exactement ce qu'on a besoin. See that plaque? There's more to it than meets the eye. Pourquoi on a perdu la vision en fait?
Ah mais parce que c'est elle qui a l'amulette. Ah donc c'est bon en fait, tout va bien. C'est Poudlard. C'est Poudlard. Non mais regarde, il y a les quatre maisons et tout. Il y a Nintendo, PlayStouffle, Xbox... Xbox là et PCR d'aigle. PCR d'aigle. Ouais, c'était génial comme truc. Pour les personnes qui l'ont pas vu, allez voir la vidéo de Jean du Grenier sur Harry Potter, c'est génial. Brrr, c'est glacé. Alors, il faut retrouver 4 éléments de saison. Très bien. Aha, tu avais la plante. Aha, tu avais la feuille molte. Aha, tu avais le bâtonnet. Et bah en fait, t'avais tout. Ouais. Ouah, PCM avant l'heure. Oh, oh, oh. Oulala. Me balancer un bloop. Que... Oui, c'est ça. Mario Kart Edition. Otherworld Mario Kart Edition. Ah. On va faire Poudlard quand même. The ability to see the magical world. The evil we sensed is probably. Oh, c'est quand même bien pour les personnes qui débarquent, ça explique un peu ce qui se passe. C'est le pouvoir qui permet de voir les choses. Salut Gamon et salut à personne. Salut, au revoir tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Oui, parce que ça brille, il y a des papillons dans la voiture. Bonsoir. Hey, listen, c'est plein de Navy en fait qui sont enfermés. T'as rien dans la boîte là? Non. Là par contre t'as un truc. Ah c'est la carte. Un nid de oiseaux. Oh c'est joli. Oui c'est sympa. Ah, y a déjà d'ailleurs que tu peux carrément te déplacer vu du haut. C'est excellent. C'est... Mais il n'y aura pas que l'école de Fiona quand même. Aha. Une clé à molette. Ouais, parce que commence pas à nous dire que tu peux pas déplacer les branches parce que t'as pas un cutter hein. Oh ça va bien. Ou ne pas se couper. Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Des grosses perles. Ah c'est des grosses perles. On aurait dit du scotch mais avec des petits poissons dessus. C'est mignon. C'est parti. Une clé à molette. Oh, une épreuve. Avec 15 corbeaux. Vas-y, est-ce que tu te sens capable d'avoir les 15 corbeaux? J'observe. Si jamais t'arrives pas à les avoir, what? Moi j'en ai déjà repéré. Ah, ça tu sais, c'est comme dans le deuxième. Tu tournes et tu trouves des corbeaux cachés dans le décor. Là. Voilà. Un corbeau là, un corbeau là, un corbeau là. Commence bien parce que, de mon point de vue, voilà. T'avais déjà loupé celui-là. Oui. C'est pas bien, hein. Eh, franchement. Hein. Ouais, comme ça. Ok, un de plus. Ok, t'en reste plus que 6. 5. Attention quand tu nous tires. 4. Mamma mia. 3. Mamma mia. Je vais pas te mentir, je sature aussi. Attends, c'est pas possible. Comme ça. Où ça? Alors je sais pas où par contre. Ah tu refais le portail en fait. Ben je sais pas. Ouais non, c'est intelligent en fait là. Quelque part. Oh GG, la vache là. Il est transparent le mec. Le mec. Là. Haha. Là, oui. Ah ouais, putain, d'accord. Oui, celui-là était malaise. Oui, mais parce que j'avais pas compris qu'il y en avait en transparence, mais si j'avais compris dès le début, j'aurais déjà trouvé les 15. Imaginez d'un coup, il y a Fufu qui sort d'un placard derrière quasiment plein l'œil. Bleh. Ce serait rigolo, n'empêche. Oui. Une capuche d'assassin. Ben il était pas enfermé lui. On va croire qu'il s'est libéré. Ben comme... Wow. C'est une aile noire. C'est trop stylé. Maintenant je vais vous suivre, mon moyen vous donnera des indices. Allons-y. Ah d'accord, donc elle est devenue le chat de Cheshire de Otherworld 2. What's this? Miss Thomas. Do not worry, master. I'm sure I will find her first. Ça lui va bien la capuche à l'ombre. Do not underestimate the power of that mortal. She stopped me once. Il fait son vol de mort. Elle a les ailes cassées. Alors ce qui était marrant, c'est qu'il y avait presque le son de Harry Potter en fond, mais en mode détourné. N'empêche, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que bien qu'on ait torché les trois rôles quasiment de suite, la direction artistique, elle est comme ça. On n'a pas fait beaucoup encore de Sam Big Fish, mais enfin là, exceptionnellement, c'est un épisode spécial, mais ouais, encore, il a rien de différent à part que c'est un dimanche, mais. Ouais, je suis impressionné par la direction de ce jeu. Putain, par contre, lui, c'est The Corbeau, quoi. Ah, c'est à moi ou alors tu veux le faire, je te laisse le faire. Non. Sélectionnez un oiseau pour voir son motif. Faites des paires. Très bien. Ouais. Non, mais ça va bien, oui. Ah oui, j'allais dire. Ah, ça les échange. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, oh, j'ai vu un verre, là. C'était pas... Non. Ah. Par contre, oui, voilà, c'était celui-là. Celui-là, c'était celui-là, et... Ok, ça va. Je te laisse deviner celui qui manque à la fin, je veux dire. C'est sympa comme truc. Non, je veux dire, le mini-jeu était bien. I will not fail, my master. My master.
Non mais il a une voix un peu comme ça, une voix cassante. My master. My master. Ça va aller. La prune des phénix. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Il est stylé et en même temps pas stylé. On en dirait fait. Vraiment enfin, une aile noire. Ouais, bah je sais pas, je le trouve. Il manque peut-être de design un peu, parce que c'est vraiment un corbeau avec deux pattes. J'invoque Elphine, le corbeau funeste. Du coup, t'as une clé molette. T'as une clé molette, t'as une clé molette, t'as une clé molette, t'as une clé anglaise, t'as une clé anglaise, t'as une clé anglaise. Mais. Non, mais c'est bon. T'avais pas vu que c'était en train de. Non. Oh oh, je peux. Ou allez. Tu le fais. Non, mais sinon, tu le fais et non, je te reprends dans. Vas-y. Est-ce qu'il y a un smiley parce que là, il y a un smiley. Est-ce que tu peux prendre un smiley? Non, tu peux pas prendre un smiley. Un bracelet, pas un bracelet. Souris et petit moulin. Petit moulin et souris toute mignonne. Voilà, le petit moulin. Ah, c'est bien ça. C'est le retour des objets à rechercher dans des boîtes ou dans des coffres. Apparemment, t'en as d'autres. Et c'est dans les valises. Ah ah. Dans la. Dans la. Comment ça s'appelle ça? C'est pour transporter ces trucs au frais quand on doit pique-niquer. Ouais, une glacière. Une géante. Une géante. Bracelet. Ciseaux. Papier. Pierre. Les Spock. Oh, ça lui va bien le petit béret. Oui, c'est vrai. Bah, peut-être qu'on aura besoin plus tard. Non, mais dis-le si je t'embête, Kid Bowling. Toi-même. Le. Tiens, t'as vu, je t'avais dit qu'on avait besoin de sa casquette. Oh, incroyable. Pourquoi t'as pas pris les super lunettes en bas à droite? Non, je sais pas. Un marteau. T'as pêché un marteau? Le fameux. Non, non, je veux dire, t'as pêché un marteau qu'on a pas vu? Je l'ai pas vu, moi, le marteau pêché. Ah, je dois sortir moi, mais il me fait pas sortir. Oui, mais non, parce que attends, retourne-y. À mon avis, ça m'étonnerait pas que tu puisses revenir avec un truc pour l'ouvrir. Je vais avoir du mal à l'ouvrir, tu vois. Oui. Mais elle dit pas qu'elle peut pas l'ouvrir. Malheureusement, il est hors d'atteinte. J'ai un marteau. C'est quoi le rapport? Tu pourrais aussi bien jeter ta clé anglaise que. Quoique, si c'est un bus anglais, peut-être que ça peut passer, mais c'est un bus ricard. Ah, des perles. Oh, la petite biche. C'est quoi? C'est pas un pied. Non, si, c'est des fontaines à eau. Ah, oui, d'accord. J'voyais en fait, pas. C'est un couloir de, d'école, mais à l'extérieur. Pourquoi tu prends ça? Hey, il y a la photo de Fiona. Quelqu'un a érigé ce mémorial à Fiona après sa disparition. Ah, là triste. Essaye le cadenas là. Non. J'ai oublié la combinaison de mon casier. Je crois que je l'ai noté quelque part dans ma salle de classe. Ah, bah bravo. Ah, bah bravo, hein. Et on dit de moi. Elle a une mémoire pire que moi, quoi. Sérieux. Oh, regarde, il y a un panneau avec marqué toboggan. Oui, c'est la première chose que j'ai regardé. Ça va? Du calme. T'as un marteau, tu peux pas voilà, faire des choses incroyables comme ça. Allez. Et nous rentrons pas. Bonjour. La fenêtre. Attendez, j'ai pas fini. C'est toi qui as tout pété? Je crois, oui. Ok. Mais attendez, j'ai pas fini. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Waouh, la tête de corbeau. La tête c'est des noirs. C'est joli. Ouais, non, des feuilles mortes, il doit y avoir un moyen de les retirer. Avec tes mains. Ou avec ton pied, tu shootes dedans. Oh, c'est ça ton truc de perles. C'est un perle. Ouais, ouais, mais il manque des perles. Oui. C'est pas ce qui apprend aux enfants à compter. Oui, un boulier. C'est ça. T'as un casma là, dans ton oreille inventaire. Sale. Dans ton inventaire. Ah oui. Ah ah. Oreille sale. Ah, voilà. Non, vas-y. Non, mais je sais pas, parce que depuis tout à l'heure je le fais pas, alors vas-y, du coup vas-y. Je commence à. Alors, amener chaque lapin en peluche à son. Clapier. Fini. Bah écoute, là je pose. Flappy. Flappy, il est lui, chez lui. Lui, c'est tâche. Comment tu sais? Bah il a des taches. Regarde, ils ont tous des. Ah, loups. J'avais pas calé flocon. Bah, pourquoi flocon? Je ne parce sais qu'il pas. Il est blanc, il est tout blanc flocon. Oui, mais il y en a deux des flocons. Oh. Yeux bleus, c'est celui qui est en boule bas à droite. De coton. C'est toi boule de coton. Oui. Attends, yeux bleus, c'est lui. Ouais. Lui c'est coton. Oui. OK. Lunettes. Ah bah c'est celui qui a des ah, taches. Ah bah oui, des évidemment. Yeux. Tout de suite, tout de suite. Easy peasy posé. C'est trop bien. Voilà. J'ai rangé ma famille. Excellent. D'ailleurs, regarde, il y a des patounes qui ressortent de oui. partout. T'as mis oh les chiens, lui. Oh, va te foutre le bordel. T'en as tout. Pas d'autres. Non, bah, non c'est tout. Bon. Bah écoute, tu veux pas faire un tour de toboggan avant qu'on s'engage réellement dans l'aventure? Attends, j'ai pas regardé ça. Un truc dans le bec. Le corbeau a fermé la porte. Quel est ce trou sur son front? Là où il faut y mettre un talisman. J'avais pas vu que tu récupérais des plumes de corbeau. Enfin, j'avais vu que tu avais récupéré une plume de corbeau, mais je pense pas des plumes de corbeau. L'école est lugubre. Ok. Encore ah ah, des perles. Ah ah, une autre perle. Il faut un deuxième œil. Tu mets la clé anglaise dans l'œil. Comme ça, tu lui plantes le deuxième œil, il a plus de yeux. Ça fonctionne. Suggère-moi, je pourrais forcer. Avec une clé anglaise. Ouais, si, ça se tient. Oh, là, une plume. Oui. Est-ce qu'il y a des collectables au fait? Parce que dans le premier, il y avait plein de collectables de partout. Bonne question. Je sais pas, je regarde, mais je vois rien qui se démarque. Non, je sais pas. Il yeah, sait pas. Rien d'intéressant. Ouah, il fait peur. Qu'est-ce que cette chose? Un épouvantail. C'est... Ah, mais c'est peut-être ça qu'il veut, tu sais, le truc dehors là. Sur le bus. Oui. Peut-être ton chapeau.
Fiona? It's me, the Scarecrow. I tried to protect the school, but the Shade trapped me here. I can help you defeat the Est-ce que tout le jeu, tout ce Other World va se passer dans l'école? J'ai perdu mon râteau et mon chapeau. Ah bah non, en fait, il a tout perdu. Je pense que le seul truc qu'il a pas perdu, apparemment, c'est ses jambes. Il n'y a pas de jambes. Bah non, sa tête. Bah si, elle est là, sa tête. Ah oui, il a une jambe. Ah oui, d'accord. Sa tête. Regarde, non, là, c'est ta... Ah oui, regarde la jambe, là. C'était quoi cette conversation en croisée, là? On s'est pas du tout parlé. Est-ce qu'il y a des jeux Big Fish du même style que True Fear? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Bien on sûr, en bien a sûr. Un autre que je voulais faire. C'est parce d'ailleurs. Que... Oui, c'est vrai. Là, exceptionnellement, on s'est lancé dans une grosse série. D'ailleurs, c'est le dernier épisode, donc c'est pour ça que, quelque part, à ceux qui en avaient peut-être marre de Other Worlds, ça leur fera du bien. Mais c'est parce qu'on voulait pas s'engager dans plusieurs séries en même temps. Parce que notamment, on voulait le faire avec un jeu qu'on vous a pas encore proposé, qui s'appelle Awakening, qui est un jeu pareil qui possède plein d'épisodes, et voilà, on voulait pas en lancer plein en même temps pour éviter de se paumer. Donc, maintenant qu'on a fini Other World, on va peut-être pouvoir vous proposer autre chose, peut-être plus horrifique si jamais vous voulez. D'ailleurs, il y a un jeu que j'aimerais beaucoup leur faire, mais je sais pas s'il passera en live, on regardera. C'est quoi? C'est. Attends, juste je m'écarte un peu, normalement il est là. Si je le vois, c'est Still Life. Ça te parle? Fragment de miroir. Ah. Non, attends, je le vois pas. Là. Du scotch. Là. Attends, deux secondes. Il me semble qu'il est là pourtant. Si, ça va ici. Bon, c'est pas écoute, là que je dois mettre le joyau. Mais il me semble que c'est si, un jeu là. Genre Still Life. Un jeu où on poursuit des monstres en fait, un peu à la Van Helsing. Ça va ici. On a un chasseur de monstres. Là. Oui. Bah pourquoi il veut pas y aller? Non. Peut-être qu'il faut mettre du scotch. Quoi? Attends. Oui, il y a d'autres fragments ici. Là. Ah qu'est-ce d'accord. Que... Il faut que je... Là. Ok. Là. J'ai pas compris ce que t'as fait du tout là. Il fallait que ça brille en fait. Un miroir de mémoire. D'accord. Ah, c'est pratique. Je vais en avoir. Il y a un truc de marqué sur le miroir. Tu lis ou je lis? Vas-y. Nous entrons dans une période sombre. Je dois commencer à placer mes souvenirs ici pour quiconque les trouvera. Fiona a disparu, Mademoiselle Thomas est partie combien de temps? Pourrais-je protéger l'école toute seule? Tout seul. Oh là là, j'arrive pas à parler, c'est dingue. Tout le monde est parti, mais je vais rester me battre. L'hiver éternel n'arrivera pas tant que je serai là. Ça m'énerve de savoir qu'on n'aura pas le chapitre final. Enfin, je veux dire, on aura la fin de ce jeu, mais on n'aura pas la fin de l'histoire, c'est énervant. Le pire, c'est que j'ai regardé, hein, le studio ne s'est pas expliqué sur pourquoi est-ce que le 4ème Other World n'est jamais sorti. C'est chiant. C'est chiant. Pourquoi tu lui donnais du ruban adhésif? T'essaies d'aller à l'étage? Oui. Et du coup? Ben, par ça. Ah oui. Ce que j'allais dire, bah non, je t'as peux pas de pas monter en fait. Au niveau du corbeau, t'as rien. T'as une clé anglaise. Est-ce que avec ta clé anglaise, tu peux pas genre dévisser le robinet pour récupérer peut-être une clé cachée dans le tuyau? Non, je sais pas. Le bus. Ah, dommage. Ah, si, là! Au tout début. Allons-y. Parce que du coup, quand on ouvre la world map, quand on voit des lanternes, c'est les endroits qu'on des intérêts, en fait. C'est-à-dire que si on y va, il y aura quelque chose à faire actuellement. Mais non! Et c'est apparu, ça. C'était pas là. Bah, je sais pas, mais... Waouh! Waouh! T'es passé à côté de ça, quoi, je veux dire! Je ne vous entends pas. Comment ça, tu nous entends pas? Je vais retirer la barre pour pouvoir insérer les perles. Bah, retire là ta barre, là, t'as une clé anglaise. Calme. Ce qui m'étonne, c'est qu'il fallait quand même une clé anglaise pour retirer la barre. Oh, très bien! Excellent, technique! Oula! J'allais proposer de le faire, mais finalement, débrouille-toi. Alors? Attends, je comprends pas. Si, moi j'ai compris. C'est-à-dire qu'en Diago, là, il devait avoir le papillon. Il faut une tomate. Quoi? Non? Je comprends pas. T'en fais voir? Non, attends, si, j'ai compris. C'est là la tomate. Donc, là. Le poison? Pas du tout. Je comprends pas du tout ce que tu essaies de faire. Chut. Mais non, mais si tu essayais de m'expliquer, en fait, on pourrait peut-être tous comprendre. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Je sais pas. Attends, fais voir. Je suis sûr parce que c'est plus bête que ce que tu crois. Parce que les grises, elles bougent pas. On est d'accord. C'est un sudoku. Non, je suis pas convaincu. Mais non, regardez, il y a des séquences là. A chaque fois, regarde, la perle grise, elle bouge pas, donc c'est cette séquence-là, à mon avis. Oui, bah justement, bah là tu mets le poisson, là le brocoli et là l'ananas. Oui, mais là, il n'y a pas de poisson, regarde. Et est-ce que par hasard... Attends, arrête, bouge là. Continue.
Continue. Non, parce que je me disais que peut-être que si le poisson est visible autre part sur le quadrillage, peut-être qu'il apparaît pas à sa place. Et si... Non, attends, ça veut rien dire. Je sais pas. Ça se trouve, tu dois trouver parmi les quatre endroits là, où est ton truc. Sélectionner une perle pour changer son motif. Une centrale sert d'indice. Oui, d'accord, mais alors ça sert à quoi? Je sais pas, j'ai rien compris à ce truc. Les épreuves en elles-mêmes sont pas si dures. Mmh, le plus difficile, en fait, c'est de comprendre ce qu'il veut faire. 1, 2, 3, 4... Et t'as 4 quadrillages au centre. Oui, merci, oui. De rien, oui. Non, mais... Regardez, celui peut-être... central, c'est marqué l'ordre. Oui. Oui, d'accord, mais on a vu qu'il y a des ordres, genre 1, 2, 3, 4, ça j'ai compris. Ah, j'avais pas vu, moi. Bon, maintenant j'ai vu. Et là, il y a les séquences, d'accord. Mais, genre, il y a des perles grises qui bougent pas et ça correspond pas forcément. Ah, attends, il a peut-être raison, c'est peut-être un sudoku. Attends, fais voir. Mais c'est pas possible. Non, attends. Attends, je tenais un truc là, mais je saurais pas comment l'expliquer. Non, explique pas, fait. En gros. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout que toutes les séquences correspondent à un. Un quadrillage. Un quadrillage, sauf celle avec l'arbre. Il est mal positionné. Ah, c'est vrai ça. Et avec le soleil aussi, en fait. Ouais. Donc, en fait, ça fait la moitié. La moitié bien et la moitié pas bien. Regardez, celui central, c'est marqué l'ordre. Oui, non, mais ça d'accord. Non, mais... Oui. Je... Bah si, c'est l'ordre. Oui, mais l'ordre de quoi? Attends, astuce. Les perles grises ne peuvent pas être changées. Très bien, ça, on savait. Changez-les à la colonne centrale pour trouver la bonne. Comparé, oui, bon, ça va. Oh là là. Bon, bah. Je comprends vraiment pas ce qu'il faut faire, là. La colonne centrale, oui, d'accord, c'est des numéros, c'est un ordre, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire ça, puis ça, puis ça, non, puis visiblement, ça, ça marche par carré. Bah, je sais pas, je cherche des solutions. Moi aussi, j'ai bien compris que ça faisait par carré. 2 maïs, 3 avocats, 4 oranges. Un arbre. Pardon? Oui, mais... Enfin, d'accord. Un arbre, deux maïs, trois concombres et deux asperges. Oui, alors, si tu pars de liste de courses, là, tout de suite, bon. Eh ben, j'ai compris la solution, tout est bio. Non, c'est pas ça. Trois papillons. Ah, puis en plus, ils se trompent. Ah, merci. Alors là... Alors là, bravo. Je comprends pas. Attends, j'essaye de comprendre, mais... Deuxième colonne. Non mais, faut dire tout d'un coup, parce que... Merde, pardon. Sinon, c'est incompréhensible, en fait, ce que vous dites. Attends, va sur la Solus d'Otherworld, juste qu'on regarde comment fonctionne l'énigme. Non, attends, je vais essayer. Mais tu veux essayer de quoi? Je sais pas, je vais essayer. Si au moins on savait quoi faire, on sait même pas c'est quoi l'objectif du truc. Je comprends vraiment pas ce qu'il faut faire. Bah on va bien trouver quand même. Je comprends pas. J'essaie de comprendre en plus par rapport à ce qu'il dit, mais ça m'embrouille encore plus en fait. Oui. Chaque numéro correspond à une ligne. Ok, oui, c'est d'accord. Oui, c'est ok. La pièce centrale donne l'ordre. Mais alors ça sert à quoi? Mais donne l'ordre de quoi? D'accord, ça marche par ligne, d'accord? J'ai compris. Oui, bon, ça ok, c'est ce que je voulais faire. Par exemple, dès le début, ça va être le numéro 3, on va dire. Si j'ai bien compris. Mais... Quoique non. C'est parti trop loin. Bah non, ça veut rien dire. C'est parti bien trop loin. La pièce centrale donne l'ordre. C'est parti beaucoup trop loin. Bah si. Mais alors ça... Attends. Oui, d'accord. Ça c'est une... Bah non. Toujours pas compris moi. La deuxième colonne, le premier c'est l'arbre. Oui, jusque là oui. Non, c'est un arbre, c'est un brocoli. Oui, c'est pareil. Bah non, justement, il faut mettre un arbre. Le deuxième c'est le maïs, le troisième le papillon, le quatrième l'orange.
Oui, mais expliquez-nous comment ça marche, parce que c'est... Enfin, oui, d'accord, mais... Des colonnes, c'est pas comme ça? Oui, la deuxième colonne, oui. L'arbre, le deuxième... Parce qu'il y en a... En fait, ce qui est pas logique, c'est qu'il y en a un de vous deux qui réfléchit en ligne et l'autre en colonne, alors c'est compliqué. Ouais, c'est pour ça, j'aimerais bien aller voir la soluce, mais pas pour nous... pas pour avoir la soluce, parce que techniquement, on pourrait passer l'épreuve. Juste comprendre comment on l'a fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Attends. C'est le bien, la quatrième c'est l'orange. D'accord, mais pourquoi? Attends, là déjà c'est un rapport avec ça. Ok. D'accord, un, en fait. 1, 2, 3, 4, d'accord. En fait, le quadrillage là correspond à ce qu'on doit retrouver sur la colonne. Oui, bon, d'accord, mais c'est ça, bon, okay. J'ai compris. Là c'est un poisson, là c'est un brocoli. D'accord, ok, c'est bon. Comment? Alors, en fait, ça te donne l'ordre de ce quadrillage-là. Il faut le lire dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4. En commençant par l'arbre? Oui, par exemple. En commençant par le coin en bas à droite. Et je veux dire, pourquoi tu fais dans cet ordre-là et pas dans cet ordre-là? Parce que c'est l'ordre qui est marqué là. Ah, attends, je peux faire juste une colonne pour voir si j'ai compris? Ah, attends. Non, mais le problème, c'est que chacun explique un morceau du truc et vous mettez pas forcément d'accord. C'est pas grave. Donc en gros là ce serait ça. Là c'est la carotte, là c'est l'avocat et bah c'était bon en fait. Voilà. D'accord. Oh la vache. Oh l'épreuve toi. Alors attends. Du feu. C'est con du en feu, fait mais. Oui c'est con mais faut comprendre. Voilà. Voilà. C'est ça le plus dur en fait. Faut comprendre l'épreuve. Oh la vache. Wouh. Ah mais. Techniquement, on doit être con, parce que vraiment, tout le monde avait compris sauf nous. Mais je te jure, j'ai pas compris. Bah non, moi non plus, et puis tout le monde disait un truc différent, alors ça embrouille encore plus. Ils avaient raison. Non, mais ils avaient raison, c'est pas ça le truc, c'est que tout le monde disait un bout de machin, et ça... Mais t'as fini de critiquer les gens qui t'aident dans la vie. Bah je critique qu'ils expliquent mal. Non mais, si. C'est pas qu'ils expliquent mal, c'est qu'ils expliquent chacun leur manière. Oh, on va y arriver. Bah oui. Oh, c'est parce qu'elle joue, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Ah, oh, bah oui. Waouh, t'as ouvert une porte, un placard. C'était que la première. Cerveau de lapin sur 20. Non mais dis donc. Alors, excusez-moi, mais je résous presque toutes les énigmes depuis le début des trois jeux, donc merde. Non, c'est si. C'est de l'ego parce que je le fais aussi bien que toi. Mais des fois tu m'aides pas quand même. Bah normal vu que tu veux le faire. Oui, mais je veux dire des fois tu y arrives pas. Bah normal, tu me laisses pas trop l'occasion de le faire. Tiens, à moi. Vas-y. Comme ça, cette fois, je pourrais me vanter. Alors, je comprends pas. Utilisez les sauts blancs pour permuter les corbeaux. D'accord, donc en gros, il faut les mettre dans l'ordre des couleurs. Ouais. De l'arc-en-ciel. Ah, oui, d'accord. Donc, tac, tac. Merde, lui, il doit être là. Attends. Wow, comment vous permutez, là? What? Pardon. Ok. Attends. Tu veux bien me le rendre lui? Là, celui d'en bas, tout en bas. Lui? Oui. Ah oui, bien. Bah non, parce qu'il doit aller là après. Bah oui. Ah oui, après je. Bah non, tu me fais faire de la merde. Ah. Bah j'ai pas raison, tu me fais faire de la merde. C'est pas joué. Parlons-en. Alors, da, ça c'est bon. C'est bon. Ensuite, il faut du verre. Non mais c'est bon, on a compris, on est pas si débiles quand même. Si. Non. Oh, on est con quand même. Non. Con comme des balles. Je suis désolée, mais non. Attends, parce que du coup, je me concentre plus, moi. Ça, c'est quoi? Ok. Attends, faut que je fasse redescendre le jaune. Non, merde, le jaune. Hop, je suis un génie. Voilà. Et j'ai pas eu besoin de toi. Non, mais... Incroyable, ça, hein. Lego. Lego du docteur Stahl. Ou le docteur Ego. Alors, ce sont des rails. Mon coup, il a craqué l'enjeu. C'est pour Sheldon. Ok. Oui, c'est ça. Il y a un bouton. C'est une voie ferrée. Il manque la locomotive. Ah, crotte. Du coup, on repassera quand on aura un bâton. Ah bon, ça? Ah, ça. Le bâton. Oui, mais peut-être que le bâton, il était là. Ah bon, tu vois un bâton, là? Bah non, justement, je l'ai pas vu. Mais toi, tu l'as peut-être vu. Wouh. Purée, elle est insupportable. Kazuma. C'est tout. Ah, c'est quoi, ça? Oh, une pelle. Ok. C'est un travaux pratique. Des œufs, de la peinture, une pelle, un volcan. Ça doit exploser normalement. C'est un projet scolaire. Oui, merci. La fiche est déchirée, je dois la réparer. Ah, avec du scotch. Qu'est-ce que... Ah d'accord, faut retrouver des objets. Alors attends, éventail. Feu de circulation... Non, c'est pas ici.
Reverse. Tu vois quoi faire avec les médocs? Ah, plate là-dedans. C'est du colorant rouge, non? C'est pas des médocs. Ah oui, exact, c'est du colorant. Et je colore ça avec quoi? Je sais pas, le dessin derrière là, peut-être. Celui-là? Teinture rouge. Celui-là? Non, le dessin derrière, derrière le champ de maïs là, je sais pas. Peut-être. Ça? Oui, j'en sais rien. Parce que tu me dis le dessin derrière le dessin. Ah, le feu tricolore, il est là. Exact, merci. Attends, parce qu'on peut fouiller. Ah! Alors, j'ai cru que vous pouvez fouiller dans le volcan. What? Attends, parce que ça va bien de pouvoir tout déplacer et de pas comprendre quoi faire. Il est dur ce jeu! Viens, on joue à un autre jeu. Il manque un fragment. Bah oui. Ah, mais non, c'est pour l'épouvantail. Ah non? Les médocs? Ah, mais non. Bah non. Mais je sais pas, tu l'as pas ramassé l'épouvantail, c'est marqué, regarde. Tirer sur le papier. Ok, attends. Affiche réparée. J'ai toujours pas ramassé l'épouvantail. Attends. C'est un bout de scotch qu'il faut mettre là-dessus, non? Non, je sais pas. Techniquement, tu on regarde. Tu peux tirer sur le. Où ça? Dans le palmier, là, oui. Il y a un truc que tu peux tirer dessus. Ah, bonjour, un Kiki. Singe. C'est une lame en papier. Il manque son manche en papier. Ah putain. Merci. Oui, non, en fait, d'accord. Quand il y a des croix, c'est qu'on a déjà vu. On est déjà venu. Ah, qu'est-ce que c'est? Un fragment d'affiche. Oui. D'accord. Du scotch. Ah non, attends, il va là. Non, je sais pas. Quoi? Bah regarde, on dirait un bout de oui, volcan qui est censé être là. Oui, bon, techniquement, d'accord, c'est le bord. Attends, je comprends pas comment on mélange le tout, là. Genre, si je fais couler ça dans l'œuf. Un ballon de foot. Où est-ce qu'on a trouvé ça? Là. Je l'ai eu, ton ballon de foot. Combinaison. Ah, mais c'est ça, l'épouvantail. Épouvantail. C'était pas du tout... oui, pardon, c'était pas du tout ça, l'épouvantail. C'était un gamin, ça. Un pauvre gamin torturé. Ah, mais tu dois faire de la lave. Ah bon? Fais voir. Mais justement, oui, j'essaye de faire de la lave, mais j'ai pas compris comment on fait. Du bicarbonate. Mais justement, je peux rien rentrer nulle part. Donc je pense qu'il faut d'abord faire l'affiche. Pour t'expliquer comment faire. Ah. Tu penses? C'est bizarre, y a jamais d'ordre vraiment, si? En général, dans les Podengeek, on est trop con pour savoir le faire nous-mêmes. Oui, d'accord, mais dans les trucs comme ça, y a jamais vraiment d'ordre, si? Ça dépend. Par contre, du coup, ah, quelque part, il y a la combinaison de ton casier. Bah oui. Ça doit avoir un... Oh, bah c'est ça, le manche! Tiens. Oh, c'est une faux, en fait. Mokutsu... Ah, et du coup, tu... Ok, c'est pas du tout ça que je voulais. Tu pouvais pas utiliser de nouveau... Attends, reprends. Non, tu peux pas. Pour découper les plantes. Mais on sait jamais. Mais écoute, ça sert à ça aussi, non? Bon. À un moment, crotte du flûte. Mais c'est terrible. T'as du scotch aussi, mais je... Ah. Quoi? Il te faut du ruban adhésif. C'est marqué au-dessus. Mais j'y crois pas. Mais j'ai essayé. Enfin, je crois. Donc, number one. Non, c'est pas ça. Number one! Les pilules. Oui, c'est non, ça. Pour moi, c'est le bicarbonate, le number one. En fait, c'est pas clair. C'est les deux, le number one. Ah, attends. Bah, essaie de mettre les deux. Ah bah non, c'est coincé, non? Je sais pas. Ah, t'essaies de faire une fusion! Non mais vas-y, fous les deux en même temps. Et essaye de mettre les deux en même temps, superposer deux. Débile! Fusion! Tiens. Bah je sais pas, comprends pas là. Elle dit que ça marche! Essaie de... Attends, fais voir. Essaie de te tailler... Non mais, c'est mon épreuve, toi tu joues depuis le début. Essaie de te tailler un peu par rapport au... Ouais, au volcan. Non, ce coup, je sais pas. Les ch'tites pilules. Mais c'est du rouge, c'est de la teinture. Bon, tu m'embêtes, ça ressemble à des médocs. Non. Ah si, un peu quand même. On peut pas utiliser les œufs là. Mais je sais pas, Merde, que... attends. Ah, en plus, fallait la récupérer quoi. Ah d'accord, c'est pour ça. Voilà, et maintenant de pouvoir le faire. Non, toujours pas. Non mais sérieux. Attends, fais voir. Non mais on est pas con à ce point. Fais voir, un truc. Quoi, un truc? Attends, fais voir. Je quoi peux? Vas-y. Non, tu peux pas, parce que t'es énervante. What? Voilà. Tada! Ouh, je le sens mal, ce Otherworld. Ouh, je le sens mal. Ouh, il est dur. Ouh, il est dur. Sur des débilités, mais il est dur. Bon, du coup, je peux me promener un peu, moi, parce que, bon, tu fais tout depuis tout à l'heure, ça va bien. Hein. Cela pourrait être utile. Combinaison du casier. Je sais où je vais, ça va, hein. J'ai rien dit, t'as tout regardé ça? Bah je crois oui, parce que j'ai pas eu l'impression de voir grand chose de plus. Si, y'a ça, mais bah si tu vois, j'ai pas trop accès quoi. C'est flippant.
Ouais, c'est un dessin en plus. Enfin, ça avait l'air avec d'être un l'ombre. Dessin. L'ombre du casemate des ténèbres. Si, il y a une grille aussi, mais j'ai... Ah, si, j'ai ce qu'il faut, merde. Enfin, je dis merde parce qu'il va falloir y aller. Oh, merci. Très bien. Je pensais que c'était un passage, en fait. Donc, je me suis dit, bon, on ira plus tard. Hein. Dès qu'on aura un tournevis ou un truc utile. Oui, ça va, on t'avait passé il y a 2 minutes. Oh. Fais voir. Maki, il prend ça. Oh, il fout le dawa, regarde. Écoute, hein. On reviendra le voir dans 2 minutes quand on aura ce qu'il faut. C'est quoi le bâton? C'est pour se défendre? Non, mais peut-être, hein. Qui sait? Tu te moques, mais on ne sait pas. Donc, ça, c'est le chiffre. Ok. Les petits points, ok. Oh, c'était easy! Alors, voyons voir. Un jour, j'ai rêvé d'un hiver terrible et magnifique. Oh, il y a ça à récupérer. Enfin, ça, c'était un collectable dans un autre The World. Un jour, j'ai rêvé d'un hiver terrible et magnifique. Un jour, j'ai rêvé d'un d'un hiver terrible et magnifique. Ça. Il y a les dragons qu'on collectionnait là. Oui, j'ai cliqué dessus au début. Je l'ai dit. Hein. C'est. Wow. Ah, terrifiant de se dire que tu suis pas. Dans ce rêve, un farfadet aveugle et maléfique régnait sur notre monde. Ok, donc l'ombre. Cela s'est révélé réel. Mes parents étaient morts d'inquiétude. Ses parents. Je suis toute seule maintenant. Non, c'est pas elle. Il ne me reste que vous et Madame Thomas. Voilà, c'est bon. Elle a visité toute l'Angleterre, elle est très intelligente. Oui, c'est la carte de l'Angleterre. Ah, je n'avais même pas fait gaffe que c'était une carte en fait pour moi, c'était un grouillis. Du royaume. J'ai envoyé un dragon féerique, ok. Il lui a laissé une lettre qui a dit que je suis en danger et maintenant elle a disparu elle aussi. Il y a une lettre dans la pochette à droite. Bah voilà, excellent. Sa trace s'arrête ici et son montant est notre seule chance de la retrouver. C'est le pop de l'épouvantail. Tu penses? Il lui manque son chapeau en haut là, regarde. Ah ah, excellente! Il est beau. Il est manque encore là. Son petit râteau, il est où? Là, un ratounet. Tiens, et hop, un collector. J'ai la clé de la sterne, nous devons nous y rendre. T'as le truc avec une feuille là? Ça? Ah oui, très bien. Wouah, génius! Mais c'est pas grâce à toi que j'ai réussi, j'aurais pu très bien le faire sans toi. Non, mais. Du coup, on a la clé de la serre. Serre qui est. Où il y avait le corbeau? Ouais, c'est ça. Ok. Et le bâton, c'est toujours pas quoi ça sert. Le fil non plus d'ailleurs. Pourquoi je parle avec toi? Fais au courant qu'on lui a mis une feuille devant de ma gueule. C'est parce qu'il va être vraiment plumé quand même, c'est chaud. Oh la vache, le nid! Oh, y a un petit écureuil. C'est peut-être le corbeau qui a créé ce champ de force, une source de lumière qui dissipera peut-être. Ah oui, un écureuil! Wouhou! Un écureuil des ténèbres. Non! Mais non, mais. Le coup de la zone qui recule en plein milieu de l'écran, quoi. Oh, sérieux, vous abusez, genre là, d'accord, là! C'est chaud. C'est quoi cette citrouille possédée? On dirait un visage de rhinocéros. C'est de la terre cuite. Ouais. C'est un pot. Cassé. Ouais, non mais je sais pas, on aurait dit une citrouille, un visage, un truc qui fait peur. Ah, il y a des fourmis partout. Bah. Oh, bichounette. De l'huile. Non. Le citron, ça marche très bien, le citron. Ouais, mais j'ai pas de citron sur moi. Écoute, on repassera quand on aura du citron. Hein. Mais il me faut ça pour découper sûrement les lianes à l'étage. Mmh. C'est quoi? Ah, j'ai pas vu. Ok, j'ai cassé que pour voir qu'elle est vide. Ok. Bon bah voilà, je remplis d'huile. Il me faut fire. Qu'est-ce que c'est? Fire. C'est trop loin. Le bâton. Bien vu, sucru. Hop. Encore un peu. Boum. Merci beaucoup. Les allumettes. Ah non, c'est une brosse à tableau. Non mais je sais pas, on dirait vraiment un paquet d'allumettes. Mais oui, moi aussi j'ai cru que c'était des allumettes. Bah en plus, voilà, ça aurait pu nous sauver la vie. Là non. L'annonce, ça nous bloque toujours. Attends, mais il y a ce fond de musique d'Harry Potter, ça me stresse. Bah, du coup, le tableau, je suis bête, oui. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu. On va pouvoir effacer les ténèbres et faire un dessin d'un pendu. On va pendre l'ombre. Peut-être qu'il va mourir. Hein. Toi aussi, tu faisais des pendus avant les vacances dans ta classe. Oui, on l'a tous fait. Oui. Qu'est-ce que. Alors. Ah. Alors, attends, parce que c'est un peu bizarre comment elle frotte. Hein. On dirait de l'eau. Ouais. C'est de l'eau! L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Est-ce que je cherche un truc en particulier? Non, faut juste que tu fasses tout le dessin. Ah, bah, c'est bon, je crois, non? Si je relâche. Ah, voilà, quand même! Il est temps d'effacer cet horrible dessin de corbeau. C'est pas un corbeau? Non, du corbeau. Oh. Tu lis ou je lis? Non, vas-y. Et ça va bien de me critiquer. Hein. À ceux qui voient, je laisse ce message pour assurer à ceux qui combattent l'ombre qu'ils ne sont pas seuls. J'ai rassemblé des objets qui permettront de le. Bannir. Ah oui, tu vois le i, toi? Non, mais je devine. D'accord. Pour toujours, j'ai essayé une photo cachée par la magie.
par magie dans le bureau du principal. Trouvez-la et ensemble nous pourrons vaincre le mal. Bah très bien. D'accord. C'est un message de Madame Thomas. Yep. Les yeux de l'épouvantail, les yeux de l'épouvantail. Bah, faut leur demander. Ah non, je vois, c'est pas ça. C'est que, est-ce que ça va nous aider à... Eh mais attends, on est bête. Non, genre vraiment. Ah oui. Hop. Voilà. Allez, ça de plus. Ton chapeau. Il lui fallait quoi d'autre? J'ai perdu mon râteau, mon chapeau, mon bras et mes yeux. Bah techniquement, son râteau, est-ce qu'on aurait pas la moitié en fait? Peut-être. Il manque juste le râteau en fait. Enfin, le bout. Oui, oui. Là, on peut encore y aller. Ah ouais. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et pourtant, on peut toujours y retourner. C'est bizarre. Si je mets de l'huile. Peut-être que. Du fil, il avait pas besoin de fil par hasard. Non, il a besoin de ses bras et de son râteau. Ah, je sais pas, je demande. Moi, je. On ne sait jamais. Ça, ça ne m'apporte rien de plus. Là, je peux plus y aller. Là non plus. Là, il nous fallait le train-train. Tu es un tableau, tu peux pas le regarder. Non. C'est des écriteaux d'école, madame. Mais Non, parce que là, il nous faut très clairement un cisaille. Enfin, une cisaille. Un truc. Coup de bâton. De l'huile. Et on fait tout cramer. Je ne sais pas où on va tout. On regarde sur la carte. Faut... Ah oui, bien vu. Ouais, mais je sais pas, elle est pas aussi visible. Ah bah. c'est où je suis en fait. Je me demandais s'il n'y avait pas un truc à faire là-dedans. Peut-être. Ouais. Avec l'huile. Avec l'huile, tu penses? Ben, ça peut permettre d'ouvrir plus facilement. Ah ouais, ça a l'air rouillé de ouf en plus. Ah. Regarde. Tu vois, je suis intelligente. Oh! Il me faut plus qu'un manche. Ouais, non mais. Voilà. C'est bon. Et voilà, on a le manche de monsieur. Il manque ses bras. Bah c'est un bras, ça, non? Bah je sais pas, il disait qu'il manquait ses bras. J'ai quelque chose à faire avec le râteau avant de le rendre à l'épouvantail. Ah, les feuilles! Ah oui, bien vu, bien vu, bien vu. C'est bien quand tout s'enchaîne comme ça. Alors, les feuilles, dites-moi tout. Messieurs, dames. Rien du tout. Ah, oh! Briquet! Excellent. Excellent. Et du coup, maintenant, on fout le feu à l'école. Bah non, mais c'est vrai, on n'en parle plus. Attends, tout est en bois. Tiens. Bon. J'ai perdu mon râteau, mon chapeau. Ah oui, mon bras. Ah, c'est ça. Il lui manque un bras. Parce qu'il a déjà un... Parce qu'il faut deux bras pour avancer. Fire. Ah. Le fil. Oui, bien vu. Mais ça pousse un peu loin quand même. Là, techniquement, sur tout le rouleau, on a gardé qu'un petit bout. Donc, bah prends-la. Ah, merci bien. Dans les fourmis, tu penses? Ouais. Le briquet directement. Est-ce que ça servirait pas à cramer toutes les lianes? Ah, mais non, attends. Ah ah! La lumière dans les ténèbres. Qu'est-ce qui est... Ah bah voilà, on a toutes les plumes. Parfait. Est-ce que... Très bien. C'est pas du tout ça que je voulais voir. Tu lis? Fiona a disparu. L'épouvantail savant n'a poussé à me cacher, m'a poussé à me cacher, pardon. Pour que tu vois, c'est pas facile à lire, hein, tu critiques, mais... Pas. Je dois m'aider. J'ai pas critiqué. Si. Non. Si. J'ai juste dit que j'avais deviné. Si. Si. Je dois me dépêcher et trouver l'origine de l'ombre. Je pourrais ainsi sauver Fiona. Si. La ferme. Si, la ferme. Et bah du coup, on peut pas le récupérer. Il y avait un truc, non, en le moins... C'était ah, une par brindille. Toi. Quoi? C'était une brindille. Non, ça aurait pu être une épée. Dans un autre monde, c'était Excalibur. Peut-être. Nyaha, mais prends ton bras. Ah, à toi. Amenez les images au bon endroit pour reconstruire l'épouvantail. Oh mon dieu. Et bah ça va. Oh et ça va, si tu peux les déplacer comme ça, tu en fais ce que tu veux. Oh regarde, les meumeux, ils vivent heureux. Des graines. Mais non, tu mets le chapeau là. Non, je comprends pas pourquoi elles sont jaunes. Elles peuvent pas se... Parce qu'elles sont peut-être importantes, je sais pas. Les zones, on peut pas les bouger? Celles-là, elles sont bonnes. Si, si. Bah, tu t'en fous. Vas-y, mets celles qui te paraissent bien. Je suis pas d'accord avec les planches. Ouais, là, je suis plus d'accord. Du game, j'ai pas fini. Hein. Ok, mais je suis pas d'accord. Bah, l'arbre plus la hache égale du bois. Oui. Il a une tête de râteau. Ça lui va bien en plus. Les yeux, oui. Qu'est-ce que... Pourquoi ça... tu as foutu le râteau, là? J'aurais plutôt mis là, moi, le râteau. Ça. Et il y a bamboudeur, c'est bon? Mais non, t'as inversé voilà, tout. Et bah voilà.
Tu vas quand tu veux. Oh, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Non mais c'est vrai, avoue-le. Qu'est-ce que... Ok, t'as oublié ton râteau. Finally, I am free. Finally. Hello, Fionn. Elle est pas trop mal son animation par rapport aux autres qu'on a croisés dans les deux premiers Overworlds. A friend. You must have many questions. But first, oui. We must defeat the enemy at hand. C'est un épouvantail des années 80. The Shade and the Crow attacked the school, looking for those who wielded magic. They had to shut this place down. It was terrible. I could not stop the Shade. It was too powerful for me. But the Crow. Il parle comme un vieux sage. We can defeat him. We must find him before he finds dear Ms. Thomas. Attends, il est amoureux de Madame Thomas? Ou alors il la protège, je sais pas. J'espère. Oh oh, cinématique! Je pensais pas qu'il le ferait lui-même, tu sais quoi? Je pensais vraiment qu'il fallait la cisaille. Les yeux dans les yeux. Le combat de monstres. Du coup, il a été vaincu. C'était rapide. L'Antiquaire, chapitre 2. J'ai pas compris. Ah bah voilà, on est toujours dans le bureau. Alors attends, parce que du coup, il y a l'ombre dans le miroir. Sauf que j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose. À mon avis, il faut que tu utilises la lanterne. Wait, what's that glowing in the mirror? C'est l'ombre. L'ombre en mode Jedi. Defeated the crow. No matter. My minions will find and capture each one of you, including en fait, j'ai dit que l'animation de sa bouche était mieux, mais pas tant que ça, en fait. Il y a encore du travail à faire à niveau facial. Monsieur, vous n'êtes pas très expressif. Oh oh! Ms. Thomas left something that can be used to open a portal to her home, which she has hidden through magic. On y va? We may find what we're looking for in that safe. And now that we've seen all the areas in school, you can use the map to revisit them anytime. C'est pas comme si on le faisait depuis le début. Alors attends, il y a un coffre, il y a un cybercoffre d'ailleurs. T'as vu le coffre sécurisé toi? Oui. Regarde-moi ça. Il y a je sais pas combien de codes à déchiffrer là-dessus. Et on a toujours pas la cisaille donc on peut rien faire. On a un seau et une lanterne. Techniquement on peut... remplir un seau de feu. Je sais pas. On va faire grand chose. Tu peux rien faire de plus sur son bureau? Non, tu peux parler à l'épouvantail. L'épouvantail qui prend le trois quarts de l'écran. Hein. Non, si jamais. Bon. Bah, je sais pas. À quoi va servir le show? Woo! I feel good! Je ne sais pas à quoi sert le show. Bien joué. Mais c'est toujours pareil. Que vas-tu faire de cette eau? Oh, toi! Fille perdue dans cette école, que l'on nomme par un nom qu'on ne connaît pas, donc tu es madame. Je vais noyer les fourmis. Sérieux? Oh, c'est méchant. C'est violent. Ah, quelque part, c'est des fourmis rouges, hein, donc elles auraient pu te tuer. Non. Des fourmis rouges, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça tue pas forcément. Oui, mais un milliard de fourmis rouges, ça tue, hein. Ah bah si. Ah bah si. Le nombre fait la force, on a beau dire. Mais t'es sûr, c'est émoussé, hein? Émoussé. Ça veut dire qu'il faut les travailler. Je sais pas comment, mais... Encore dans la serre? Mais contre quoi, avec quoi, comment, quand, où? Mais non! Sérieusement, t'avais vu ça, toi? Non. J'ai glissé. Oh la vache! Eh bah, dinde donc! Déplacer à l'aimer aiguisé. Bah voilà, très bien! Putain, j'aime bien la carte. Mm. Ça me rappelle un jeu indé, je sais plus comment ça s'appelle. Ça reprend un gameplay à la Outland Miami, mais je sais plus comment ça s'appelle. Oh, le petit train! Sheldon! On a le train! Tu vas apprécier le chou-chou. Embarquement. Le Kazma Express va bientôt partir. Aligner les wagons sur la ligne bleue. Ok.
Est-ce que tu dois pas... Ah ouais, voilà, appuyer au moment où... Et c'est nul. C'est tout. C'est pourri. Oui, un peu. J'ai même pas une énigme. Tchou-tchou. Ah, par contre, il va se bouffer le... C'est quoi ça? Une clé. On dirait plutôt une poignée. Tu sais, une poignée de casier. Ah oui. Mais je sais pas. Poignée. Ouais. Oh, j'en ai marre de bailler. Oh, on se réveille. Qu'est-ce qui se passe là? C'est parce qu'on est dimanche. Ouh, tout le monde dort. Le coffre. Maintenant on peut résoudre totalement l'énigme. Appuyez sur les boutons pour saisir la combinaison. Non mais c'est bien, on a un papelard pour nous expliquer plus ou moins quoi faire. Au pire, t'as pas un tournevis? Comme ça on n'en parle plus. Ouais. Bah on a le code, maintenant il faut retrouver. Alors déjà on sait que ça co... Appuie sur... Vas-y, appuie pour voir. Ah nickel, donc on sait que là c'est le W. Non c'est pas ça. En fait il était là, oui. Là, ensuite l'un des trois est un T. Oui, nickel. Le rond. Un génie, faut valider. Oui. C'est nul. Enfin je veux dire, non c'est pas nul mais c'était facile. Pourquoi t'as que des épreuves faciles, tiens ça moi. Pourquoi, merde, pourquoi t'as que des épreuves faciles comme ça mais maintenant moi je vais avoir une dure, hein? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, j'espère que tu retiens. Merci. En fait, c'est quand même bien parce que, voilà, et si jamais on se gourre, c'est du one shot, en fait, ils te font recommencer à l'épreuve d'avant. Ok, tac, tac, tac. Ça. Et, non, c'était pas ça. T'as noté l'emplacement du dernier? Non. Je t'avais dit de noter. Mais si tu veux un peu à toi. Vite. Oui, mais parce que je suis trop doué pour ce jeu. Oh, sérieux, c'est tout? Tout ça pour une photo? C'est la photo, je dois la donner à l'épouvantail. Haha. Une photo ténébreuse. This is it. Let me try to remove the enchantment. There we go. Now to get to Ms. Thomas's hiding place, you'll need to add du sang. Du sang, le sacrifice de l'être pur. Qu'est-ce que tracer le triangle d'un seul trait? Oh putain. Allez, allez, t'es experte du triangle. Oh, regarde, t'as vu? Ta souris, c'est un petit feu. Arrête de bouger. Allez! Arrête! Oh, ça. Ouh là là! Eh, par contre, je tiens à dire qu'au moment où elle a fait sa vague vers le bas, ça faisait bien longtemps que je l'embêtais plus. Regarde, c'est quoi ça? Merde! On dirait qu'une pluie de météorite est tombée. La veille, excellent. Aha! Direction la maison de Madame Thomas. C'est madame ou mille? C'est madame, hein? Madame ou mille? Mademoiselle. Hein? Ben, t'es chiant. C'est marqué madame. Prenez cette cloche. Tu sais pourquoi on a pris une cloche? Oui, il a dit qu'on saurait pourquoi s'en servir. Le moment venu? Oui, voilà. Ouais. Tu parles. Ça, c'est l'excuse facile, hein. Ah non, t'as raison. Je viens de relire la ligne, là, t'as raison. Merde. Quant à moi, je vais rester ici et peut-être... Bordel! Tu peux relire! Oh là là! Alors, quant à moi, je vais rester ici. Peut-être qu'un jour, j'attendrai le nouveau... Non, j'entendrai à nouveau le rire des enfants. Bonne chance, Fiona. Il s'en bat les couilles de nous. Nous, rien à péter. Hein. On rappelle que Fiona, c'est la petite fille en bas à droite. Hein. Nous, on est la personne qui accompagnons Fiona. Je dois faire levier pour l'ouvrir. Il me faut 4 cloches. Oui. Une cloche. Oh oh! Stylé. Ah ben dis donc, tu m'aides pas à me réveiller là. Mais je suis réveillé, mais je sais pas si c'est parce que tu bailles que je me fais bailler tout seul, mais ou le fait qu'on est dimanche, je sais pas, mais waouh, ça veut pas, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fontaine? C'est un bain d'oiseaux. Avec... Il y avait une fée dans sa bouche. Je peux pas la retirer? Non, on dirait un collectable. En même temps, on n'a pas croisé de collectable depuis le début. Donc, on a 4 cloches finalement. Sauf qu'il te manque encore un truc. Une deuxième poignée. Perdue quelque part. Oula. De la magie puissante émane de cet endroit. Ah oui, c'est pas encore magique. Regarde, vu que Fiona l'a pas activé. Des petites particules. Oui. Bah, ça fait ça dans tous les Otherworlds en fait. Ça fait ça dans tous les Otherworlds. Mais ça faisait pas pareil. Oui, bon, ça faisait un effet magique différent. Y'a un ratounet. C'est un ratounet, je crois. C'est ça. Ce truc là. Je sais pas, je vois pas. Cette petite plate là. C'est trop petit. Terrain désert, oui. Et... Tu peux pas utiliser une planche pour fermer la boîte? Voilà. Tu mets la planche sur la boîte.
Bah, elle est cassée, la planche sur la boîte, on fout. Voilà, et ensuite tu chauffes le truc. Ah. Voilà, et là tu mets les 4 cloches. Ah, oui. Support pour cloche. Très bien. Et la magie opéra. Et ça choque pas les voisins de voir popper une baraque. Non. Tout va bien. Oh. On est vraiment dans Harry Potter là. Là on est dans Harry Potter. Ah, il te faut la deuxième poignée. Jamais t'as un état. J'aime bien la maison toute serrée comme ça, on dirait une petite caravane. J'aime bien, mais je pourrais pas vivre dedans. Bah, ça peut être sympa quand tu vas en vacances, tu vois. Mais j'en ferai pas ma maison principale. Voilà, mais je pourrais pas vivre dedans. Je veux dire, deux villas, c'est bien, mais une petite caravane de gitans, bof. C'est tout ce que je peux regarder. Bah, il y a un étage. Oui, d'accord, mais ici. Ah, oui, faut croire. Oula, t'as une lanterne. Il fait sombre. Il fait ténèbres. Tu peux l'accrocher. Oh, miroir, miroir. Qu'est-ce qui est? Est-ce que cet endroit, c'est pas un peu la zone principale où tu vas devoir... Ah ouais, c'est ça, tu vas devoir te rendre dans trois endroits différents. Oh, je le sens bien. Oh, je le sens bien. Une auberge dans les marécages, oui. Ensuite. C'est le QG de l'Ordre du Phénix, c'est exactement. Non, mais c'est ça. Au bord de la mer, c'est joli. On t'a fait une oui. Un paysage montagneux époustouflant. Eh, c'est sympa, j'aime bien l'idée. Je vous préviens, je suis armé. Je vous préviens, je suis armé. C'est Madame Thomas. Elle est bien conservée. Sauf qu'elle a une elle a une chemise en mouchoir, on dirait un peu. Ouais, elle est moche. How can this be? Eh, bonjour aussi, hein. Ouais, c'est ça. Putain. Moi qui fais tout le boulot. Nous, putain. Oui, déjà que on se fait oublier, mais alors là, tu m'oublies totalement. Mais non, mais je parle du personnage. Bravo. Ah, par contre, les lunettes, ça la vieille. Ouais. Hiding myself away, biding my time. My research has paid off, for I have found a way to defeat him permanently. On verra peut-être la fin de l'histoire. La vraie fin de l'histoire. It involves collecting powerful artifacts that when combined can be used to destroy the shade. I've been setting up portals to collect the items. Bah, je sais pas, vous avez dit le repère de l'Ordre du Phénix, moi j'irais plutôt à la maison des Weasley. Tu penses qu'il faut qu'on se mette dans la cheminée? Chemin de travers. Poudre de cheminette. Est-ce que tu veux sniffer de la poudre de cheminette? My house has been such a mess since I returned from my travels. Have you seen more of these around? Comme pas du tout. Si, attends. Un endroit. Si, oui, dans la gueule de la grenouille, je me disais bien. Ah oui, d'accord, c'est pas les mêmes. Oui, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Ouais, mais pour un truc pour je là. Sais pas. Ouais, ça va, tu tires, tu l'as, non? Bah non. Et si tu mets un peu de magie dans le décor, un peu de magie. Donne-moi un truc toi. Non, c'est éteint. Et si tu tires? Non, tu peux pas. Tu peux pas récupérer les morceaux là? Ah non, d'accord, c'est les morceaux déjà sur place et il faut en trouver d'autres au moins, c'est ça? Pour compléter le schéma manquant. Oh, attends, parce qu'il est bien sympa le QG de l'Ordre du Phénix, mais déjà c'est très serré. Ensuite, je sais pas. Reparle-lui, pour voir. Avez-vous trouvé toutes ces statues? Mettez dans le dispositif de navigation. Non. La cheminée directement, non? Je sais pas. Non, mais pour de vrai, hein. C'est jamais. Eh bien, écoute, je ne sais pas. C'est joli. À l'étage? À l'étage où? Genre au sol, les cartons sur les côtés, je sais pas. Non, je pense vraiment que le dispositif du centre, on pourra l'activer que quand on aura passé les trois miroirs. Mais oui. Oui. Ok. Ta lanterne elle est éteinte, hein? Ben oui. Lanterne éteinte. Non, je sais pas, il y a trois bougies à droite, peut-être qu'on pouvait les allumer. Je sais pas. Eh, c'est bien fait, regarde, on voit la réflexion de la bougie dans celui tout à gauche. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, on est Keblo. Regarde la carte si c'est bien ici, parce que. Ouais. Merde, c'est bien ici. Qu'est-ce qu'il y a à faire? T'en fais voir? Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Bonjour, au revoir. Voyons voir. Ok.
la vue a disparu. Tac, 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 tac. Ah. Non, tac, tac, non. Tac, tac, tac. Le seul truc qu'on a accès, c'est ça. On peut vraiment rien en faire de ce truc. Bizarre, c'est ça. Ah, si, une règle, là, sur le côté à gauche. Oh, la vache. Oh, faut le voir. On est fatigué. On fait quoi de cette règle? Eh ben, pour faire levier sur la boîte aux lettres. Wouh! Oh la vache! On est peut-être fatigué, oui, c'est vrai. On fait levier. Ah oui, oui, on fait levier. Ok. Une poignée et une perle. Une bille. Ok, bon. Oh, pareil. Non, attends, attends. Je voulais voir ça. Non, on peut plus rien en faire. Bon, écoute. Une bille. Ah oui, les poignées. Les poignées pour la commode. Ah, bonjour. Qu'est-ce que. Une valve, merci bien. Et un miroir tout pété. Oula. Je vois. There's something strange about this memory mirror. A different kind of magic has been cast on it. Miss Thomas's thoughts are harder to understand. Elle est unique, elle a pas la même magie que tous les autres. Tu donnes le double. Vas-y. Parcouru le quoi? Ah, c'est la suite de l'histoire de tout à l'heure. Parcouru le pays pour découvrir comment combattre l'ombre. Fiona et sa famille ont disparu. Je me suis caché, j'ai continué mes recherches. Des artefacts puissants, beaucoup trop puissants. Ils ne doivent pas tomber entre de mauvaises mains. Protégé par des gardiens féeriques, on ne peut s'y rendre que par des portails. Attends, il y avait qui là? Oula, c'est pas ça que je voulais, pardon. Attends. On a donc la fée Clochette, de Médusa et Aquaman. Je sais pas, je sais pas. Le dispositif ne fonctionne pas, trouver les artefacts, trouver Fiona. Et bah voilà, on a l'hexagone manquant. Non? Je pense. Qu'est-ce que... J'ai tout remis en place, mais je ne sais pas quoi en faire. À quoi servent ces emplacements? La valve, c'est pour la grenouille. Tu crois? Oui. J'ai pas vu d'endroit où on pouvait mettre la valve. Moi aussi. Ah bon? Ah là? D'accord, d'accord. Je me demandais ce que c'était en plus ce truc. Oh, très bien. Très très bien. Allez, donne. Merci. Encore une figurine pop collector. Ah bah, la troisième a disparu. Hein. Le ratounet, tu sais pas? Non. La bille, elle doit bien servir à quelque chose, la bille. On oui, retourner sur la table, à l'intérieur. Oh, bah voilà, tu as ta réponse. La figurine, elle est dedans. Non, non, c'est un peu gros. Quoique, le jeu en serait capable. Tu veux le faire ou je le fais? Oui. Alors, sélectionnez les billes dans le bon ordre indiqué en haut jusqu'à arriver à la fin. Ah, d'accord, c'est là le début. Ok, donc rouge, rouge, vert, bleu. En général, il rouge, faut partir de... violet. Attends. Ok. 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 Attends. Parce que là, faut pas se tromper. Ouais, t'as raison. Tac. 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 Ensuite, vert. Non, c'est pas ça. Vert, bleu, rouge. Ouais, moi j'irais plutôt en bas. Non. Ah non, t'as raison. Ouais, mais là. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, non, mais parce qu'en fait, dans ma tête, je passais par au-dessus, en fait, je comprenais pas, mais oui, on pouvait faire ça, en fait. Ok, très bien. Oh, ça va, c'est pas si dur. Ah ah, finalement, on se trouvait véritablement la véritable figurine. Collector. Ouais, trop bien. Et une photo. Un paysage peu accueillant. C'est peut-être l'un des endroits que je vais visiter. Nanana. Nanana. Mange. Avez-vous trouvé toutes les statuettes? Mettez dans le dispositif de navigation. D'accord. Non, je pensais qu'il fallait lui donner. Pour faire je sais pas quoi. Tu fous ça comment? Vas-y. Fais-toi plaisir, meuf. La Justice League féerique. Non mais c'est ça. Tellement de pouvoir magique. Ah mais non, mais c'est facile. Ah non. Oh, c'est nul. Ouais, je veux le faire. Mais... non mais je rigole. Non mais je pensais que c'était dur en fait. C'est pour ça que je voulais te voir galérer, mais... Juste pour le foutre un peu plus à côté. Il est pas dedans, hein. Merde. Mais il manque des pièces, là. Ah non. Non, non, elles sont grises. D'accord. Oui, mais tiens. Alors, sélectionnez mon bouton pour activer les portails. Utilisez le levier pour voir les icônes. Les leviers. Les leviers. Test. Tourne, bouge. Oh. Nani, tu devrais commencer par le 1. Il y avait un 1 tout à droite.
Remonte, top. Ouais. Ok. Vas-y. Ok. Ensuite, le 2, c'est la goutte. La gougoutte. Attends, est-ce qu'il faut pas sélectionner toutes les gouttes-gouttes? Non? Parce qu'il y a une deuxième goutte-goutte. Déjà, je vais essayer comme ça. Ok. 4. Feuille. Ah, il faut une clé. Ah, deux gouttes. Deux, oui, c'est ça, d'accord. Deux gouttes. Trois. Tu me stresses. Deux machins. Tiens là. Oui. Ok. Et quatre feuilles. Ok. Attends, parce qu'il y en a un à droite aussi. Ça active pas? Non, parce qu'il y a un levier à droite aussi. Attends, fais voir. Est-ce que t'étais remonté jusqu'en haut? Ah, voilà, je savais bien que t'avais oublié un truc. Ok, donc c'est ça. Il faut encore activer celui de droite. J'espère qu'on a fait les choses dans le bon ordre. Ouais. Parce qu'honnêtement, sinon je vois pas. Hein. Alors, il faut une couronne. Ok, la couronne. T'étais dessus. Voilà, t'es dessus. Ensuite, un arbre mort tout en haut. Un hippocampe, voilà, juste là. Trois montagnes. Bataille, trois montagnes. Tu vas voir qu'à la fin, ils vont nous laisser que les objets qu'il n'y avait pas. Deux bouquins. Bah voilà, trop facile. Easy peasy poney. Easy peasy poney. Panda, dada. On est parti loin. Par contre, je me pose une question. Est-ce que on peut y aller dans l'ordre qu'on veut ou est-ce qu'on est obligé de passer par un portail puis un autre? Je ne sais pas. If all goes according to plan, while you collect the artifacts, I'll prepare the magic needed to put them together. Ah bah très bien. Est-ce que tu veux la montagne, le bord de mer ou le marécage? Le bord de mer. Ah ouais, t'es comme ça toi. Bah moi j'aurais choisi les montagnes. Non, tiens le marécage pour changer. Mais ok, allez, bord de mer. Un coffre spécial dans lequel placer les artefacts. Ouais, c'est un petit peu l'amulette qu'on avait dans le 2 en fait, quand on devait récupérer les joyaux. Ou bah carrément le premier, on devait récupérer les fleurs dans chaque endroit. Ah, c'est très la cinématique. Artifact that is buried somewhere deep within the sea. This artifact of pure emotion is in the hands of the unforgiving Nyx. Oula, il est moche. That oversees all sea creatures. You must find his lair and convince him of the worthiness of your cause. Be careful, as he bends the rules for no one. Est-ce que c'est le chapitre 3 techniquement? Non, on va juste dire le phare. Allez, chapitre 3,1, le phare. Je reprends ou tu reprends? Oui. Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas joué depuis le début. Parce que tu prends tout le... Bon, voilà. C'est un bout de marteau. C'est quoi? C'est pas un bout de marteau, ça? Une partie d'encre. Ah oui! Parce que moi, j'ai la collection aiguë au point de collectionner les encres. Montez le nuage. Oh, ça fait une étoile. Ok. Bah, il faudra une étoile, c'est tout. Tu penses? Bah oui, ça me paraît logique. Ah bah, je sais pas, parce qu'il disait de monter le nuage, genre peut-être qu'il fallait faire autre chose. Oh, encore un bout d'encre! Un bidon d'huile, mais vide. Est-ce que si on veut, on peut sortir? Je regarde juste vite fait. Pas vide, tu dois percer le couvercle. Bah, attends, il y a marqué bidon d'huile vide. Non. Ah non, je suis sûr d'avoir vu marqué bidon d'huile vide. Bah écoute, direction le phare. Qu'est-ce que... Ouais, oui. Bah en fait je suis en train de récupérer les fragments mais je ne sais pas où ils sont. Barre-toi, hop, merci. Barre-toi, hop, barrez-vous, hop, merci. Et bah voilà, je l'ai mon encre. Et avec un peu de scotch et de crachat, hop. Mais... Ah voilà. Et c'est tout bon. Direction le phare. Comment dire? Le monde n'a pas l'air très grand. Je me demande si chacun des mondes est... Oh, très grand. Bonjour, toi. Il a fait... Stop poking me. Wow, a human. Oh, a human. This lighthouse is broken, so go away. Il a dit bro. The Nyx. Why would you want to talk to him? Well, maybe the leader of the floor knows what... J'adore sa voix. Donnez-moi quelque chose de confortable pour que je dorme dessus. Ah, un ouais. Coussin. Mais tu n'as pas envie de dormir quand même. Non mais j'y crois pas. Eh. Hey. Pour de vrai, je suis fatigué. Ça va aller, t'es sûr? Tu veux qu'on fasse une pause? Non, ça on va. Fait une pause si tu veux. Hein. Elle va pas tenir. Moi je vous le dis, elle va pas tenir. Bah, le problème c'est que c'est de la fatigue que je contrôle pas donc. Bah là tu vas le contrôler pour une fois. C'est un album sur le phare, mais les photos ne sont pas complètes. Comment ça? Ah oui, il manque une photo là et là.
J'avais pas vu. Et là, il y a une tête débile. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une tête débile. Alors, attends. On dirait Phineas. Oui, oui, c'est vrai. Je comprenais pas. Oui, le dessin animé Phineas et Ferb. Oui, c'est vrai en plus. Bandage. Bandage pour je ne sais pas quoi. Oh, il y a un pot là. J'ai besoin de quelque chose de grand pour atteindre l'étagère. J'ai besoin de quelque chose de grand et de confortable. Un panda. Un c'est ronflex. Gros et confortable. What the fuck. Attends, elle ou elle? Non, la fée steampunkée. La fée steampunkée. Vous avez vu ça? Ce que faisait Madame Thomas dans une gare. Non, que faisait Madame Thomas dans une gare? Elle devait être chez elle. Elle devrait être chez elle. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est le passé qu'on a vu, peut-être? Et puis t'as fini de me corriger, oui, ça va bien. Oh. Oui, mais je te corrige quand ça a pas de sens ce que tu dis. Bah, le fait que tu me dises que ça a pas de sens, pour moi, ça en a plus, en fait. Le fait que tu sois avec moi n'a plus de sens non plus, d'ailleurs. D'accord. Zut! La fatigue me fait... Zut, voilà. Oh bordel! Je veux plus parler avec toi. Tu es insupportable. Non mais... Je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Mais il faut réparer les carillons, il manque des trucs. Oui merci, mais ils se trouvent où les morceaux? Ben je sais pas. Parce que là on a une fée steampunk, avec des vis, d'ailleurs on peut pas prendre les vis. Il m'en faut plus, c'est sûr, oui. Faut trouver des vis. Oui, merci. Ah, le bandage. C'est gros quand même. C'est gros. Enfin bon. Très bien. Donc, une lame. Est-ce que je peux découper ça? Ah. Non. Oh, l'étoile. La fameuse. Attends, mais avec une lame comme ça, tu fais ce que tu veux. Otsui. Bah avec ça, j'avais déjà essayé de le faire couper, mais non, tu veux pas. Ça permet de faire descendre le panier, mais il manque la manivelle. D'accord, d'accord. Non, mais je sais pas, je réessaye, on sait jamais. Bon, alors. Oh, attends. Attends. Il y a un endroit où on a oublié de regarder. Là, dans les tiroirs. Ah ah. Un tofu. Ah ah. Un avion. Alors, on va voir. Attends. Il faut reproduire les photos. Reproduire les photos, oh un ouais, avion gauche, s'est abîmé. Ok. Donc ça pourrait être ça par exemple. Ah ouais. Bah voilà. Oui, c'est mieux dans cet ordre là, je préfère. Des choses étranges se produisent depuis le crash. Les marches ont disparu une à une. Bah je sais pas si on parle réellement de disparition, mais en fait elles se sont carrément éclatées les marches là. Enfin je sais pas, c'est pas ce que j'appelle une disparition. J'ai rêvé d'une créature semblable à un dragon sur la rive. Ça doit être ça. Ok. Non, c'est pas cette photo-là, regarde la flèche. Quoi? Ah oui, pardon, le carillon joue tout seul. Il est où le carillon? Là, il y a le carillon et le haut du carillon. Oui, bien vu. Et du coup, il est où le dragon? Là, en bas. Ah, là? Ouais. D'accord. Donc là, on a le dragon. Non, bah c'est l'inverse. Et voilà. Tu poursuis ou je poursuis? Comme tu veux. Bah je pense que ça te réveille en fait si tu poursuis toi-même. Pas forcément. Oh, oh, merci bien. C'est tout? C'est tout? Oh, bande de radins. Hein? Au revoir Phineas. Est-ce que... Ah non, ça n'a rien à voir en fait. Oh, je pensais que c'était l'artefact qu'il fallait mettre là, je... Ok, c'est pas grave. Donc, une lune. Ah ah! Une lune, une étoile. Qu'est-ce que... oui, pardon, une étoile. La faute à Mario Odyssey, hein, je le dis à chaque fois. Un scaphandre. Un violon, une palme. Une bouteille d'oxygène et une bouteille d'oxygène. Une bouteille d'oxygène et une bouteille d'oxygène. Elle est coincée. Où sont ces écrans? Ces écrans? Quel écran? Je sais pas comment ça marche. Attends, un gros casque, deux masques, un tuba, un coussin. Oui, pardon. Le tuba, il est là. Le coussin. Le dans tuba. La brouette. Ah, là. C'est une brouette? Ah oui, je crois que c'était un bateau. Enfin, j'ai cru que c'était un bateau dans un bateau, tu m'as compris. J'ai cru que c'était le gros casque qui est derrière le bateau. Barque. Ok, un deuxième scaphandre. Un tuyau. Où ai-je vu un tuyau? Deux masques. Tuyau. Un masque sur l'étagère, là. Ouais. Et un autre tuyau. Là sur l'horloge, c'est quoi ça? Écran de la bouteille. Ah, bah c'est l'écran de la bouteille. Ah, oh là là, d'accord. Ouais, attends, parce que je trouve pas mon tuyau. Encore de la toile, je pourrais peut-être la prendre si je la découpe. Voilà. Nyaha. Non, encore. Voilà. Et. C'est bon, je peux la prendre? Ah, merci bien. Oh. Ah, il faut pas remettre les casques par hasard?
Mais tu sais pas ce qu'il y a accroché, lui, là, à côté de l'espèce de pioche. Ça ? Ouais. Oh la vache ! Non, je te jure, je voyais pas un tuyau, moi. Une clé pour... Hop ! Voilà pour ça. C'est quoi, ça ? Déplacer le poids lourd. Il y en a un autre. Ah, oulala ! Là ? Faut les mettre où ? Tu peux pas ouvrir l'horloge ? Non. Non, mais apparemment, c'est pour eux. Ah oui, d'accord, c'est pour les faire les faire aller sous l'eau. Ils sont trop légers pour les enfants. Et voilà. Ouais, je sais pas, moi je cherchais des scaphandres. Pour moi, ça me paraissait logique de compléter la tenue en fait. Oui, moi aussi. Donc on a le coussin pour le gobelin. Très bien. Très bien. Donc toi. Voilà. This is Chris. Here for you. A trinket and a clue. The leader on the top floor will help you find the Nyx. J'ai l'impression que la zone va s'agrandir. Symbole de la lune. C'est sur le petit bateau. Le petit bateau ? Le début. Il y avait un soleil sans lune. J'ai pas vu. Où ça ? T'as sur le bateau dessus. Là ? Oui. T'avais cliqué dessus. Là. Ah oui ! Oh la vache ! Ah non, je te jure, j'avais pas vu. Ah, le fameux levier, du coup, pour Mais aller oui. au phare. Excellent. C'est bien quand ça avance comme ça. Donc, le levier. Manivelle. Oui, manivelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une affiche. Ok. Pauvre monsieur qui se fait harceler par des goûts. La fourchette ! Et toi là ! Debout ! Oh ! Je t'agresse, hein ! Faire du bruit. Faire du bruit ? Je mets ça sur la tête. Ah ! Merci bien. Ça, ça va sur le coffre en bas. Ouais. Jusque-là, je l'avais compris aussi. Donc, le rouage pour le coffre. C'est à toi, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, viens voir. Utilisez les boutons pour dépasser les rouages. D'accord. Sauf que... Et où le dernier bleu? Bah, il y a. Mais... Ah, au centre, oui, c'est rouge. Oui, oui, c'est rouge. Des. Bah, techniquement, là, c'est bien. Techniquement, là, t'y touches plus. Par contre, il faut ramener les autres jaunes. Bon, en fait, faut tous les ramener. Attends. Ouais, je l'aurais plutôt mis là, moi. Ouais, voilà. Ok. Putain, t'es doué à ce truc. Attends, parce que c'est pas la fin, là. Attends, attends, non, fais tourner. Ouais. Ouais. Non, moi, je l'aurais mis là, hein. Parce que comme ça, tu récupères le jaune. Oui, oui. Non, encore un. Voilà. C'est pas la fin, c'est pas la fin, tu l'as torché hein, quand même. Wow, the épreuve quoi. Oh le petit bonhomme casse-noix. Non pas du tout, si. On dirait, ah tu l'as carrément jeté comme ça toi. Pas de problème. On dirait des bougies, enfin ça fait un ting quand tu les récupères. Mais on dirait des bougies. Ouais, c'est des trucs de carillon. Oui mais on dirait des bougies. C'est tout, c'est tout, c'est pas très bien. On a tout. Est-ce que on pourrait pas essayer de couper le panier? Mais voilà. Oui, c'était pas évident non plus pour moi. Hein. D'accord. Donc le 12 est égal à un rond barré. Le 9 est égal à... Je comprends pas. Le 12. C'est-à-dire faut le faire 12 fois. Ah non, il y a des numéros. Oh quoi? Là, regarde. Le 12 va au rond barré. Ouais, d'accord. Voilà. Et bah je pense que t'as compris. Ensuite, le 9 va à une espèce de mi-lune. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Non, non, tout à gauche, tout à gauche. Oui, oui là. Voilà. Ensuite, on continue. Le 6. Le 6, t'as le 6. Là. Très bien. Ok, le 3. Putain, mais c'est quoi ces épreuves? Easy peasy pony. Le 18. Le 18. Et le numéro complémentaire, le 15. Toucher le carillon. Oh, c'est mélodieux. Oui, donc je me demandais, est-ce que le panier... Ah d'accord. On peut pas découper la corde avec notre lame et le faire tomber. Qu'est-ce que c'est ? Human with the sight? Not every day you get woken by one of those. On veut ta fourchette. On veut ton royaume. Oh, gobelin de la sainte vaisselle. What makes you think the Nyx wants to speak to you? Well, here. Well. Use these bricks to reach the top floor. Our leader will know what to do.
On peut pas récupérer les briques. Mais je sais pas pourquoi faire. Sérieux? Ok. Ok. Wow. Human Crusaders. I can't say I admire you for going up against the Shade. But if you wanted someone powerful on your side, the Nyx is a good fate to find. Le Nyx. We'll make you a deal. If you can fix the lighthouse, I'll grant you the Gremlin Seal and Scroll of Passage. Without them, the Nyx will not speak to you. Du coup, si j'ai bien compris, le Nyx, c'est Aquaman, en fait. Ouais. D'accord. Consider this a show of my trust. Don't waste it now. Non, je vais pas du tout piller tous tes objets. Bah, c'est surtout, il a beau nous faire confiance, moi je lui ferais pas confiance à lui, étrangement. Il a une tête de ripou, ouais. Une tête de voleur. Là, t'as un entonnoir au-dessus. Au-dessus. Ouais. Ouais, bouge pour voir. Ouais. Marche pas. Essaye d'activer la lentille. La lentille. Oh, un escabeau. Ah bah voilà. On peut aller chercher le pont. La pont. Sans déconner, imagine tu le vois pas ce truc dès le début. Pinceau et poudre. Je vois pas. Pinceau et poudre. Faudra pas oublier que dès qu'on aura d'autres vies, faudra aller voir la nana. Enfin, la fée Technomancer là. Pinceau et poudre. Oh, what the fuck? C'est un télescope que tu fabriques, non? Tiens, t'as ce truc rouge là, si tu veux. Avec un cadre derrière d'ailleurs. T'avais le cadre derrière. Je sais pas pourquoi tu as fabriqué. Il y a encore un autre cadre là. Il y a un petit marteau là, je crois que c'est un marteau. T'en as un deuxième à vendre. Encore un cadre. Encore un cadre. Et une tige blanche. GG. Ah, t'as reconstruit les objets avec de la logique. T'as fait un tournevis et un miroir. Ah non, des vitres. Ok. Comme ça, direct. Non, ouais, le tableau de contrôle. Tu peux pas... Non, c'est juste marqué un truc. Mais t'as un tournevis. Non, mais y a pas assez de lumière, elle voit rien. Ah, d'accord. Bah t'as bien dit, c'est juste marqué un truc. Et oui, du coup, je sais pas, réessaye de zoomer, peut-être. Oh, y'a un truc, là. Tournevis. Ah bah voilà, on a les vis. Les fameuses. Ah, ouais. Et du coup, maintenant, on y voit quelque chose. Je crois. Enfin, non, c'est pas logique, mais... Non, est-ce qu'il faudrait pas... Est-ce que tu peux fusionner la lanterne et les bougies? Les bougies et les allumettes? Non, c'est pas possible. Dommage, ça aurait été bien comme idée. Moi, ce que je te propose, ma petite stalle, c'est qu'il est 15h30. Après cette épreuve, on se fait une petite pause. Ah, il en faut encore plus. On se fait une petite pause, du coup? Oui, si tu veux. Jeunes gens, on se fait une petite pause, histoire de dégourdir les patounes. On va voir un truc, on va manger un truc et on se retrouve pour 15h45. Ok, donc, on est re. Et je sais plus trop ce qui se passait quoi en fait. T'avais récupéré des allumettes, ainsi que des vitres, un pinceau et de la poudre, un tournevis, un entonnoir, une lame et une lanterne éteinte. Est-ce qu'avec tout ça on peut produire de la musique? Je ne sais pas. Là, il y a pas besoin de quelque chose. Ah, je dois rétablir l'alimentation du feu. Ah oui, mais c'est juste en dessous et on n'y a pas accès. En fait, toute cette partie-là, on n'y a pas accès. Ah, donc, on peut pas te dévisser avec le tournevis. Bah, là ou là? Mais non. Parce que en bas, tu m'avais dit qu'il fallait d'abord mettre de la lumière. Mais, barrez-vous! Faut que tu poses le tournevis. C'est pas évident tout de suite. Il y a des jeux où des fois, ça te dit non. Vas-y, c'est bon. Tu tapes fort sur le son. Oui, parce que ça me dit non, j'aime pas quand ça me dit non, j'aime pas les jeux qui me... Ça a rien tapé plus fort. Si, c'est comme la télécommande. Si, la science a prouvé que taper plus fort ne servait à rien. Non, les photos, ça c'est fait. Le meuble, non, c'est les photos, ça sert à rien. Toi, tu dors pas sur un truc que j'aurais besoin par hasard? Non. Autant de voir au tout début, ouais. Au tout début, début? Genre là? Genre début... Ah, attends. Eh, dans les films de MacGyver, ça passe, hein. En général, on peut faire des choses incroyables. Pourquoi on peut voir les scaphandres? Nous pouvons utiliser pour aller sous l'eau. Où sont passées les vitres? Ah bah les vitres. Non, sérieux? Ok, bah allons sous l'eau, je crois. Bah je sais pas, non. Ah, tu peux pas percer avec la lame. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, alors attends. Dans l'ordre, parce qu'il va falloir récupérer, non? J'ai ouvert le bidon, mais je n'ai rien dans quoi mettre.
Mais le problème c'est qu'il y a un pinceau et de la poudre plein. La lanterne. Non vraiment. Directement comme ça. Bah qu'on va pouvoir allumer comme ça. Oui. Bah avec un tonneau. Non. Ah voilà. Ok. Non c'est bon, on va s'en sortir. Donc là on fait couler. Et glou 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 glou. Oh l'animation, t'as vu un peu. Je crois que c'est de la 4K. Hein. Je suis pas sûr. Voilà, on a la lanterne. Et B, c'était pour l'étage. C'est un jeu avec des puzzles, évidemment, qu'il dort sur un truc dont t'as besoin. Ben oui et non, parce que... Oui. Dans le Otherworld 2, il y avait un... Je sais plus comment ils s'appellent, les créatures de la forêt. Il y en avait un qui dormait et on avait besoin d'un truc sur lequel il dormait. Lumière. Tourne les vis. Quoi? Des symboles pour savoir dans quelle direction tourner les vis. Ah. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'il faut? Non. T'as besoin de symboles? Ma chérie, à droite tu vises, à gauche tu dévises, c'est pas compliqué. C'est vrai. Il me faut l'outil à proposer. Mais on l'a, mais je... Donc on va vraiment en mer? Attends, la carte elle dit quoi? La carte elle dit qu'on est là où il faut. Merde. Scaphandre. Attends, pinceau et poudre. Je sais pas pourquoi, hein, mais... Ah. Non, vraiment? D'accord. Ok. Ok. Eh ben. Wouh! Beaucoup trop de bousons. Ça explique comment allumer le phare. Je sais pas. Attends, parce que. Est-ce que je dois activer le M pour qu'il devienne vert là? Non, je pense que c'est le M vert que tu dois activer. Ouais, mais il n'y a pas de M vert. Mais il y en a un qui a pas de couleur là à droite. Ah là? Non. Non au-dessus. Ah oui, bien vu. Parce que justement je cherchais les couleurs mais je voyais pas. Donc c'est un... C'est ça mais en orange. Mais il y en a deux à droite. Bah, c'est juste en face en fait à chaque fois. Non, il y en a deux en fait. Il y en a en dessous aussi. Ah oui. Donc je ne sais pas. Ça pourrait être l'un des deux. Le X il est là. Cette lettre. Ah c'est là. Ok. Merde. Attends. Je suis presque un génie. Merde. Pourquoi je suis pas un génie? Dis-moi tout. Le jaune, c'était bien ça. Le... Ah, mais il y avait deux X. Oui. Ah, j'avais pas vu le deuxième X. Attends, donc mais moi j'ai... Il est là, dans la colonne de droite. C'est sûr? Non. Il est orange, là, au-dessus. D'accord. Ok. Mais c'est exactement les mêmes en fait, sauf que sur le papier c'était pas exactement les mêmes. Wouah, la lumière fut! Lentille de Fresnel, alors attends. Ok. Ok, oula. The phare! Attention, on déconne pas. Le chemin est éclairé. C'est bon? Tout va bien, le chemin menant au repère de Nyx est maintenant éclairé. Follow the light and you will find him. Take our seal and scroll of passage. Remember, gremlins are playful but friendly. The Nyx is neither. Prove yourselves and he may give you what you seek. Saut des gobelins. On n'en avait pas besoin de quelque part, le saut des gobelins. Parchemin du passage. Non, par contre, on n'a toujours pas les vis. Hein. Je sais pas à quoi va servir l'effet, mais. On avait quoi à ramener un artefact? Je parais que c'est la fée qui a l'artefact. Ah non, elle a une clé. Je pense qu'elle a la clé du bateau. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Mais attends, d'après la carte, parce que moi j'irais bien utiliser les scaphandres du coup. Voilà. Allez hop, allons-y. Non, je vois pas. Parchemin du passage, ça on peut pas. Ah, non. Le faisceau du phare éclaire un rocher dans le lointain. Il indique l'entrée du repère de Nyx. Ou du Nyx. J'ai pas encore mis les scaphandres à l'arrière du bateau. Voilà, c'est bon. Ah, il faut la clé évidemment. On a toujours besoin de quelque chose pour pécho la clé. Pour pécho, enfin oui, pour pécho la clé, il nous faut les vis. Mais il faut quelque chose pour pécho les vis. On peut oublier quelque chose dans la boîte à gants. On n'a pas dans les rochers à droite là. Là ouais, non, non, j'avais essayé de fouiller. Attends. D'après la carte. Voilà, d'après la carte. En fait, c'est même pas là, c'est à l'étage. Oui, c'est à l'étage. Ouais. Non. Pardon. Non, mais je crois que c'était pour la manivelle là. Ça, il n'y avait pas de vis là-dedans? Come on, then.
Allez-y, utilisez les briques pour monter en haut du phare. Eh ben non. Putain, pourtant j'aurais bien mis un coup de tournevis, moi. Où trouver plus de vis? Je suis pourtant bien au bon endroit. Mais oui, c'est clair. Alan Wake, c'est toi. C'est vrai que l'ambiance, il ferait penser. Lanterne. Flamme. Nope. Dans le trou, il y avait la lame, non? Bah non. Honnêtement, à part lui ou elle, je vois pas. Hein. Tiens, tu veux pas le saut des gobelins? Parchemin? Non. Tu veux de la lumière? De quoi te défendre? De quoi manger? De quoi bricoler? De quoi je ne sais pas. T'as une idée, là, moi? Essaye les objets sur la fesse, que je sais pas. Non, vraiment? Attends, j'ai pas compris, là. J'ai pas rajouté de vis. Non, mais c'était ça. Et puis, en plus, j'ai eu l'impression d'avoir déjà essayé ça tout à l'heure. Ok, bon, on a la clé du bateau. Ok, donc... En tout cas, elle fait moins peur quand elle est pas allumée. Hein. C'est vrai. Là, ça sentait un petit peu l'invasion des fées. Allez, vroom vroom! Je sais où aller, mais je n'ai pas la... Non, ça va. Oh. Allez, cocotte. Oh, l'animation. Ça clignote. Unreal Engine 05. Brave child. Together, we began our search of the depths of the... Trop bien. Une face dans l'eau, c'est excellent. Enfin non, c'est excellent là, mais en temps normal, c'est pas excellent. Le désespoir de la sirène. Est-ce que tu veux poursuivre ou je poursuis? Vas-y. Les poissons lanternes, ils brillent de mille feux. Est-ce que c'est des poissons lanternes? Techniquement oui, vu qu'ils ont des lanternes, mais... Ça ressemble pas à une baudroie, non? Ouais, voilà, c'est pas genre méchant. Une lamproie, hein. Une baudroie. Un poisson lanterne? Une baudroie. Ah ah! Qu'est-ce que c'est que ça? La toile cirée. Swing. Encore? Non. Bon. Une planche. Non, même pas une pioche. Ouais, je t'avais cassé une pioche là-dedans. Ouais, je vais remettre un coup de pioche à eux, moi. Barrez-vous. Prenez de la place. West. Ah. Fragment de barol. Ah ah! Soy! Sorry. Aha! Ça! Je ne peux pas l'atteindre et je risque de me couper si je me penche. Pioche? Par rapport à certaines fois où des fois elle osait même pas faire certaines choses qui paraissaient un peu évidentes, là je trouve que. Voilà, bon. Oh, t'as vu, c'était un sandwich de fragments. Appuyez sur le bouton. Le bouton? Je sais pas, c'était marqué appuyez sur le bouton. Oui. D'accord, ça change la couleur du Pégase. Mais... Oh, attends! D'accord, faut retrouver les formes. Ok. Ouh. Non, faut que ce soit blanc en dessous. Ah oui, pardon. Non, pas ça. Voilà, d'accord. Ouh là là, ça va être dur. Ouh, ça va être dur. Mais c'est rigolo. Ouh, ça va être dur. Ça, des couilles. Une des tête couilles de poney blanc, il faut. Attends. La tête de droite. Attends, je cherche des couilles rouges. Ah, voilà. La tête de poney blanc, tu me dis? À droite. Là, mais oui. Il faut qu'elle soit blanc. Ah ah! Ensuite, il faut ça, mais avec les contours rouges. Voilà. Ensuite, il faut le centre de ce machin en jaune. Non. Ok. Ah, un croisement entre deux, en fait. Ouais. Il faut qu'il y en ait un qui soit jaune et l'autre rouge. Non, bah ça. Bah parfait. Non, c'est où? C'est plus haut. Là? Oui. Ok. Ok, ça c'est bon. Ensuite, il faut le haut de leur tête. J'ai jamais c'est lequel. Je suis trop fort. Et ça c'est quoi? C'est une boule. Non, c'est pas ça? Ah là. Ah ah, il y a la boule. Ma gueule la boule. Il faut changer la tête du Pégase. Pas ça. Non. Mais si, c'est bon, c'était vers le bas. Là? Oui. Ah oui, exact. Ensuite, on a le même plus haut. Ouais. Voilà. Et pour finir... C'est au-dessus. Où ça?
Là ouais. D'accord. Bon bah voilà, c'était pas si dur. Enfin, non, franchement ça va. Ça paraissait bien plus dur en le voyant. Oula ! Je déplace les montagnes, moi, madame. Boum ! Qu'est-ce qu'il y a ? Direction la grotte du Nyx. D'Onyx. Qu'est-ce qu'il y a un truc, là ? Ma lanterne n'éclaire pas assez, si seulement cette torche était allumée. Ah, oh. Ta lanterne n'éclaire pas assez. Oui, je sais, mais peut-être que je peux fusionner ma lanterne avec une énergie sombre et humide et faire un Kamiamia sous les océans. Un Kamiamia ! Qu'est-ce que... C'est un code. C'est un guide pour nourrir les poissons. Oh, est-ce que tu voudras nourrir les poissons ? Oui. Allez, Stal ira nourrir les poissons. Eh ben écoute, on a enregistré le guide ? On a enregistré le guide des poissons. Parfait. Les ténèbres, ma lanterne n'éclaire pas assez. Bah ouais, oui, il faut ramener les poissons, mon avis. Ah, les poissons lanterne. Une algue rouge dérive au gré du courant. Ah, est-ce ouais. que... Oh oh ! Oh oh ! Il n'y avait que ça ? Il n'y avait pas d'autres ? Il en faut 4. Ah, il en faut 4. Attends. Il n'avait pas là. Oui, nickel. À moi ! Et à moi ! Parce que j'ai plusieurs couteaux. Haha ! Eh bien, à toi. Vas-y, essaye de nourrir les poissons. Si jamais t'as le plan dans le menu. Je nourrirai les poissons ailleurs. Ah bah, dans la grotte alors. Est-ce qu'il faut ouais, les nourrir à cet endroit ? Sur le piédestal là, peut-être ? Alors. Pardon ? En fait, tu dois reproduire les ronds. Hein ? Tu dois superposer les trois ronds qu'on voit à gauche. Hein ? Attends, prends un indice, prends un indice. Alors, astuce, chercher un guide coloré dans la grotte. Si, ça c'est fait. Les segments de la torche brillent lorsque les bonnes algues sont dessus. Donc. Ah oui, en fait, tu peux pas le faire tourner le machin. Je pensais que tu pouvais le faire tourner. Ok. Wow, c'est reparti pour l'énigme du siècle. Oh là là. Attends, 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 attends. Il faut les mettre dans l'ordre en fait. Ah, lâche-moi. Oui, mais dans l'ordre de. Je sais pas. Je me baisse, c'est ça. Fais ce que ton cœur croit juste. C'est pas ça là. Hein. Je sais pas, t'essayes de faire quoi en fait? Ah si, c'est bon. Bah j'essayais de faire la première ligne. Ah. Bah tu t'es gouré. Ah non. Bah non. Non non non, t'as raison. S'il te plaît. Oui bah désolé, ça va. Oh oh oh. Hein, bon. Ah il faut que je le fasse deux fois, genre ici aussi, non c'est ça? Genre. Ça se tient. Si ça se tient. T'as trois. Si si, t'as trois combinaisons. Du coup tu le fais en opposé. Ok. C'est un peu bizarre. Ok. Oui. Bah je trouve l'énigme un peu stupide là par contre, parce qu'elle est pas dure mais. Accroche-toi pour trouver ce qu'il faut faire, quoi. Je sais pas, je trouve ça stupide tout en étant difficile. Je sais pas, je ne suis point satisfait. Après, ça veut rien dire, hein. Si ça se trouve, quand c'est bleu, ça veut pas dire que c'est de bon code, ça veut juste dire que t'as si, validé un truc. Si, ils ont dit que ça brillait quand c'était bon. Oui, c'était mais est-ce classe. Que ça brille bleu ? Ah ah ! Peut-être que ça brille violet ! Ou jaune ! Ou rouge ! Ou vert ! Écoute, ça brille déjà, c'est bon. Oui. Ah, je sais pas, cette énigme, je l'ai trouvé facile et en même temps. Je pense qu'on pouvait les mettre dans n'importe quel ordre. Hein. Bah, ouais, c'est ça qui me perturbe. Oh, trop bien. Ah, regarde, t'as un nouveau piédestal là-bas. Ah ah ! Je dois attirer les poissons ici en les nourrissant, comme pour l'autre torche. Et c'est parti, ma petite stalle, et c'est reparti. What the fuck ? Ah, oui, d'accord. Là. Bah oui, non, mais c'est facile, c'est pareil en fait. Là, là, là. Je trouve que c'est les mêmes combinaisons. Oui, 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 oui. Ok. Là, là. Là, là. Là, là. T'es beaucoup trop doué pour ce jeu. Ah, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai arrêté de suivre. J'ai arrêté de suivre. Après la fin du premier, en fait. Du premier Otherworld, hein, pas de cette énigme. Très bien. Tu l'as poncé les piédestals. Ouais, allez, un petit troisième, non, elle est chaude, là. C'était pas compliqué. Il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que sont ces points ? Du plancton ? Est-ce que tu peux pas y mettre le fragment des gobelins ? Enfin, le saut des gobelins ? Non, je sais pas. Non, il faut le donner au Nyx.
Oui, mais peut-être que ça, c'est la porte d'entrée de Monsieur Onyx. Peut-être qu'il habite dans les profondeurs. C'est un Pokémon de type... Oh! Non, il est de type roche, hein, pas de type... Oh! Parce que sinon, on va déplacer les bouteilles. Oh, l'alcool précieux! Le boudin. Oui, et je le mets où? Ah! Ah ah! Bah voilà, on a ce qu'on voulait. Il y a un stalactite violet. La stalagmite a une couleur étrange. Oui, stalactite c'est en haut, stalagmite c'est en bas. Les stalactites ça tombe et les stalagmites ça monte. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais moi tout le monde m'a compris. Voilà. Je crois pas que t'as ce qu'il faut en fait. Mmh. Parce que l'épreuve elle s'est même pas activée. Alors. La loi RN, donnée, vous pourrez prendre. Ah oui, d'accord. Oh! Bien joué! Ma fille est née aujourd'hui. Elle a le regard d'une guerrière. Elle est jolie, sa fille. Elle est devenue trop curieuse pour son bien et a voulu savoir à quoi ressemblait la terre ferme. Aucune créature féerique n'est la bienvenue dans le monde des humains. C'est la loi. C'est un peu l'histoire d'Ariel. Hein. En plus, elle est rousse. Ouais. Elle a disparu et si les créatures marines et les chansons du vent ne peuvent pas trouver, qui le peut? Oh! Bonjour. Le roi Triton! Le roi Nyx! Oh, il a une voix. Beyond mercy. Je t'ai donné le sceau des gobelins, il faut quoi de plus? Oui, mais non, t'as pas le droit. Une violation, c'est une violation. On dirait qu'il est entouré de chaînes tout autour de lui, c'est bizarre. Use the organic smithy. Ça se mérite une couronne. Qui me dit que t'es un bon roi? Bah, il est dégarni en fait, ça prouve qu'il a de la prestance. Les hommes dégarnis pèsent dans le game étrangement. Tu vois, moi j'ai trop de cheveux, je pourrais jamais peser dans le game. Y'a Bambou qui a peur de quelque chose. Tu vois? Je sais pas. Wouah! Il a sa propre réserve de shit. Y'en a encore derrière d'ailleurs. Ah ah! Il est encore là, là, là et là. Ça fait un bruit bizarre, non? Oui, ça scrooch. Ça scrooch très fort. T'as fait un paillasson, félicitations! Plateau de cul. Est-ce que, voilà, tu pourrais pas les mettre là-dedans pour tout broyer? Non, je peux juste les déplacer. Peut-être qu'il te manque quelque chose. L'eau n'est pas encore prête, je ferais mieux de consulter les notes. Ah, quoi? Quelle note? Quelle note? Oui, j'allais dire, on a rien. Oh, oh, oh! Ah! Peut-être que le roi Triton, il t'a dit quelque chose. Ma couronne est morte, mes parchemins indiquent que c'est parce que j'ai perdu une partie de moi. Je vais cultiver une nouvelle couronne et j'apprendrai peut-être à m'accepter moi-même. Bizarre. Je dois commencer par traiter l'eau avec une poudre magique formée à partir d'une stalagmite violette. L'eau brillera d'une lueur douce. Ensuite, je devrais disposer correctement les coraux. J'ai préparé le plateau de culture. Je dois le mettre sous l'eau, dans l'eau. Les coraux ont besoin de nutriments pour pousser plus vite. Je peux leur donner du plancton. Je le mettrai en dernier. Sa couronne devient violette. J'aurai réussi. D'accord, bah du plancton, on sait où il y en a. Attends, reviens sur les étapes. Encore. Encore. Pourquoi? Voilà. Bah parce que pour voir. Bah. T'avais pas essayé de. Ah mais non, on va aller chercher du stalagmite avec la pioche. Bah oui. Enfin du plancton. Ouais. Je pensais que c'était le plancton, tu sais, qu'il y avait dans le couloir là. Bah peut-être qu'il en manque et que je devrais aller le chercher. J'ai un 5000. Peut-être. Oui bon bah allons-y. Ah oh, t'as plus qu'à quitter hein. Tu lis pas? Bah c'est bon. T'as pas lu celle-là? Ah je pensais. Encore! J'ai encore échoué! Les coraux sont devenus gris! Le... Non. Les parchemins ne mentionnent pas l'échec. J'ai peut-être... Quoi? C'est peut-être moi qui ne suis pas de taille. Je m'accroche encore à son souvenir. Oh je pensais que c'était bon. Hein. Cassos! De retour. 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 Non, retour en bas. Retour en bas. Voilà. Ok. Donc, on a le plateau. Il faut porter l'eau à ébullition. Il faut faire... Voilà. Récupérer le stalagmite. Porter l'eau à ébullition. Est-ce que je peux récupérer le plancton? Eh ben... Non. Le problème c'est que ton plancton là, il vole un peu dans tous les sens. Ouais, je sais. Donc c'est un peu chou. Chou. C'est un peu chaud. Non, c'est pas ça que je vois. Comment, qu'est-ce que ça fonctionne? Attends. T'as pris des notes, hein. T'as pris des notes. Ah mais écoute pas, hein, rien à péter. Alors... Ah, il faut le broyer et ensuite le foutre dans l'eau. Eh bien allons-y! Coup de pilon. Oh, ça va, ça se broie facilement. Comment puis-je la transporter? Dans un sac, évidemment, pardi. Tu pouvais pas juste prendre le pot et le déplacer de l'autre côté. Hein. Incroyable. Voilà.
De la poudre de perlimpinpin. Non, de la poudre de perlimpinpin. Ouais, tu vois, il manque un truc, perle, ça doit être perle, le plancton. Oui, mais du coup, parce que s'il manque un entonnoir ou ce que c'est, on pourra rien faire. Oui. Du coup, t'as un manche, c'est quoi? C'est une barre. Est-ce que cette barre, tu peux pas la foutre là? Oh, ça a l'air rigolo. Oh. Non. J'aurais pas dit ça, moi. Encore, refais un tour, encore. Voilà. Quoi que je dise ça, en fait, mais c'est pas mieux. Oh, si, un peu. Ouf, si, ça va. Je sais pas. Non, l'autre était bien. Hein. Vas-y. Ouais, c'est bien. Bah, c'est pas bon. Hein. Oui, mais là, regarde, c'est bon. Ouais, mais là non plus, mais c'est les trucs qui s'alignent le mieux, on dirait. Je sais pas, écoute. On met comme ça, puis on verra bien. Hein. Okay. Alors, tu vois, hein, très aligné. C'est qui avait raison? Oh! Non mais! Et du coup, nous avons l'éprouvette! C'est un robinet à plancton, d'accord. La vache! Waouh! Ah, il fallait le deviner, ça! Mais du coup, le stalagmite, il était fait de quoi? Il était pas fait de plancton? Mais non! Ah bah je sais pas, moi j'ai vu que c'était violet, j'ai vu que ça avait la même couleur, je croyais que c'était plancton, hein. Colorer tout le plancton en violet en commençant en haut à gauche. Ah, c'est comme le truc avec les cailloux du en deuxième, justement. C'est toi qui l'avais fait. Ah oui. Tu sais, il faut que toi, à la fin, voilà, disparaisse. Ah, par contre, c'est toi qui es doué, hein, désolé. Par contre, je préférais que des petits cailloux, c'était plus visible. Là, ça pique les yeux. Ouais. Le violet. Ouais, j'aurais bien dit le jaune, surtout qu'on l'a pas encore attaqué, le jaune. Le bleu, oui. Je te donne des conseils inutiles. Le violet, le vert. Et accidentellement, le professeur Stahl ajouta un autre ingrédient. Le plancton! C'est ainsi que naquit la couronne du roi Onyx. Stahl, Kazma et les abonnés formèrent une troupe de super-héros, la Justice Kazma League. Tu t'en sors? Oui, j'ai peur de pas avoir assez de trucs. Mais est-ce que l'objectif c'est de tout vider? Non. Ou juste d'arriver au bout? J'ai pas tout utilisé la dernière fois. Ouais, c'est pour ça. D'accord. Non, si, ça devrait le faire, j'ai confiance en toi. Hein. Bon, c'est-à-dire que moi j'y arriverai pas, donc. J'espère que toi tu vas y arriver. Ouais, non, honnêtement, aller. Ça a l'air d'aller. Il te reste du morceau là. T'as de quoi faire? Ah, de quoi faire? Est-ce que tu dois terminer par une couleur en particulier? Oui, le violet. Ah, pardon. Bah, du coup, tu t'es gouré. Mais non. Oh, mais si. Mais tu peux pas. Ah, tu peux. Bah, oui, c'est. Non, j'ai cru que tu étais obligé d'avoir au moins un violet pour tout mettre en violet. Ouais. D'accord. Non, j'ai cru. Ah ah. Et ça se mit à former une couronne de corail. Pourquoi? Tiens, cadeau. Ma couronne! C'est moche, hein? Ah oui, c'est très moche. Et on voit toujours que t'es dégarni. Ah ha! Prenez les larmes de ma fille et laissez-moi. C'est chaud! Le mec, il nous abandonne les larmes de sa fille. Enfin, les larmes qu'il a pleurées de sa fille. Wow! Désespoir de la sirène. Eh ben, très bien. Qu'est-ce que. Ah, ça fait partie des artefacts. Déjà, c'était rapide. Oui, je t'avais dit que ça avait pas l'air très long. Hein. Bon bah voilà, on a conclu un premier niveau sur 3. Et après, nous irons affronter de nouveau l'ombre. Enfin, je crois. You saw me in a railway station. Perhaps your mind is trying to trick you. Of course, I'm not in any danger. Elle nous cache des choses. Soit nous cache des choses, soit on a peut-être vu le futur. Ou une réalité alternative. Tu voulais aller montagne, marécage? Non, marécage. Direction les marécages. Les marécages. A harsh wind blows. It is said that this is the wail of a lady abandoned in the wilderness. Her grief and despair would not let her rest.
She turned into a banshee, and now no one dares enter her lair. The wail of a banshee contains such powerful emotions that it forms a magic all on its own. If you can record it, it will make a powerful spell against the shade. Le marécage des secrets, chapitre 3,2. On a crevé, Nemours. On a crevé. Oh merde. Oui, du coup je remets des coups de couteau. Non, je peux pas. Est-ce que je peux rentrer dans la tuture avec un couteau? Oh, arrête, ça va. Je pète le carreau avec un couteau. Bon. Il y a un caillou, c'est quoi? C'est une roue de pierre. Ah ah, une autre pierre, un papillon. Qu'est-ce que une page? Je n'arrête pas de tomber sur cet arbre, comme si je tournais en rond. Je ne sais pas comment sortir d'ici. Nani nani. Attends une minute, quoi? Ah voilà. Il y a un autre truc. La terre est trop dure, je dois la ramollir. En grattant. Non, on peut pas. Avec de l'eau sûrement. Une bouteille, bah tiens. Je pourrais la sortir de là en faisant levier. Avec une lame? Ah vraiment? Pas peur de percer, hein, la bouteille. Oh oh, mini-jeu. Alors attends, faites en sorte qu'aucune des racines ne se croise. Ah. D'accord. C'est ce fameux truc. Attends. Toi, tu vas là. Toi, tu... Attends, je comprends pas, ça va où? D'accord, toi ça va là. Ok, 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 ok. Tac, 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 tac. Vous allez vous écarter, vous. Voilà, vous prenez de la place. Ok, 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 ok. Ah, d'accord. C'est au centre que ça chie. C'est trop nul, cette question. Oh, ça va. C'est pas le plus dur, je trouve. Sauf qu'en fait, j'ai amené tout ça là-bas pour rien. Et en gros, j'ai un problème à peu près là. Voilà. Tada! Encore? Une ombre l'a emporté. J'ai récupéré un gant. Un gant de légende. Ah, attends. Voilà. Bon, j'ai rempli ma bouteille d'eau. D'eau de... Je sais pas, en fait, je voulais juste regarder dans l'eau, l'eau, mais pas ça. Je crois que j'avais déjà trouvé l'artefact, j'allais dire, on se tire. Et là, si je ramollis la pierre... Ah ah. Je sais pas ce que j'ai trouvé, mais je l'ai. Un bouton rond. Bah voilà. J'ai terminé le niveau. Qu'est-ce que... Y a pas d'autres roues à voir dans le coin? Sélectionnez les bonnes caisses pour apaiser la roi roche... La paroi rocheuse. Non, il faut que tu colores celle du centre. Ouais. Ça, je pense qu'il faut tout colorer. Mais non, regarde, t'as un dessin à côté, Nemo. Oh oui, putain, je l'ai pas vu. Non, je te jure, je l'ai pas vu. Ah, attends. Alors, non. Ouais, c'est ça. Si, si, c'est ça. Ah oui, d'accord, faut reformer le bonhomme, mais ça veut pas dire que c'est spécialement... D'accord. C'est ça. C'est... Ouais, ça pourrait être un truc non, comme c'est pas ça. Si, si. Regarde. Si, c'est ça. Là, ça ferait 3, 3, 2. Oui, si, c'est ça. Ok. Donc, ça, c'est toujours bon. Par contre, il doit en manquer un bout là. Ah, ouais, c'est bien. Parfait, c'est bien. Ok. On l'a presque en entier. Oh, c'était rapide. J'ai formé un bonhomme rétro. J'ai formé un bonhomme rétro. Le gant de l'infini. C'est le gant de... Comment s'appelle le méchant dans Avengers 3? Un bout de tissu avec un message. J'ai trouvé mes clés dans la clairière, puis j'ai entendu des voix et vu un fruit de cristal transparent. Quelque chose est apparu à l'intérieur. Mais qu'est-ce? C'est une poire de cristal. Oui, une poire avec des pics. Tu peux pas déchirer le tissu avec ton couteau? Ah, ça se tient, attends. Ah, d'accord. Je vais juste récupérer un bout de chiffon. Donc je prends ça, hop, je prends ça. Merci. Et j'ai de quoi faire, je sais pas, un pilote, un truc. Une grosse pétanque alors, hein, parce au que. Au curling. T'as vu la taille? Ouais, plutôt du curling. C'est joli. C'est joli. Ah, voilà, en faisant un pont. Comment t'as fait? T'as balancé les pierres dans l'eau? Chut. J'ai fait des ricochets. Des ricochets de légende. Waouh! Oui, Thanos, ça doit être ça, oui.
Oui, c'est ça, Thanos, ça dit quelque chose, merci beaucoup. Les lucioles sont attirées, ok. Bouton rond. Ah ah, c'est l'heure de l'énigme. De l'énigme. Alors, je veux bien, mais... Parce que là, on a une continuité verte. Et la jaune, elle se finit comment? Ben, là, jaune, vert. Ta gemme, elle est jaune et verte. D'accord, mais ça, là, j'en fais quoi? Tu vas le déplacer? Ah là! Il est là, le début jaune. Voilà, c'est de ça que je parlais, moi. Ah, t'avais pas vu? Non, non, je te jure, j'avais pas vu. Eh ben, écoute, je pense qu'il faut tout prendre. Peut-être pas, en fait. Bon, et, j'essaye des trucs, hein. Oui, oui, non, mais tu as raison. Et voilà. Ok, bah très bien. Ensuite, le vert. Est-ce que le vert a une... Ah bah non, il doit retourner au rouge. Oh, ok, d'accord. Donc, technique main, c'est... Merde. Censé faire un truc comme ça. Il arrive là, il ressort là. Ok. On est d'accord. C'est bien qu'on est d'accord. Ok. 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 Ça va. Ouais, bon, ça va, franchement. C'est... Pourquoi on me file des énigmes comme ça? J'ai l'air de quoi, moi? Je suis déjà pas très très intelligent. Hein. Easy peasy pony panda! Wouhou! Et voilà, on a l'artefact. C'est chelé, il faut que je le réchauffe. Lanterne magique. Vraiment? C'est une couille de cristal. Oh, qu'est-ce que... Il est Mimi. Elle est Mimi. Oui. Alas, without the sight, he could not find his way through the fog. If you are looking for the banshee like he was, you must have this magic compass and a map to guide. C'est l'équivalent des gobelins dans on dirait, le. Comment s'appelle Barbie papillon avec des ailes là, je l'avais. Donc ses ailes, elles battaient. Ah ouais, t'avais des Barbie toi. Ah ouais, j'avais juste une caisse de Barbie. Ah merde. Dommage, je t'aimais bien. J'avais des brats aussi. Mais en vrai, pour de vrai, les anciennes Barbie, elles sont jolies. Hein. Les Barbie de collection et tout, elles sont super jolies, mais... Elles coûtent cher. Moi, j'étais petit, je décapitais Mac Shaman pour faire des films à la Frankenstein et tout. Je leur ai coupé des cheveux. Je me souviens que je mâchais un gros bout de chewing-gum et je leur mettais dans le crâne pour faire genre que c'était une créature. Je leur entaillais le visage. On a pas eu la même enfance. Utilisez à vous seul la carte pour trouver l'auberge. Méfiez-vous, les choses ne sont pas toutes celles qu'elles semblent. Oh mon dieu. Ah oui. Ah mais non, t'aurais pas du... Un truc pour la voiture. Attends. Il manque des trucs là. Non. Ah, un cric. Voilà, on va pouvoir bricoler. Bon, je sais pas si on a tout ce qu'il faut, mais toujours, on se rapproche. Non, pas ça. Alors, attends. On va mettre le cric là. Ouais. Attends. Parce que là, il me manque des outils. Alors, excuse-moi, hein. Comment ça se fait qu'elle avait tes clés de voiture? Je sais pas. Ah, le capot. Oui, parce que bon, tant qu'à faire. Écoute, on fait la révision totale. La carte ne me suffira pas à trouver mon chemin. J'ai aussi besoin d'une boussole. Baka! Voilà, c'est tout. Bien, je vais pouvoir trouver la banshee avec ça. Ok. Les dossiers. Je l'aimais assez pour retourner en ville pour supplier père de me libérer des chaînes de mon destin décidées depuis ma naissance. Mon seul regret est qu'elle ne l'ait jamais su. Je souhaite juste... Ah, je souhaite juste réconcilier, je sais pas. Ah, qu'on se réconcilie, d'accord. C'est écrit sur l'autre page, en fait. Ah oui, oula. J'ai vu ce message dans le journal de mon grand-père. Qu'est-il arrivé à cette femme mystérieuse? Je me suis rendu dans la forêt pour le découvrir. C'est voulu que ce soit écrit totalement décalé comme ça? Je sais pas, c'est bizarre. Je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la trad. Que se passe-t-il? Je conduis. Où est l'auberge? Ah, que se passe-t-il? Où est l'auberge? Je conduis depuis des heures. Ouh, c'est compliqué, ouh, hein. Oui, excusez, hein. Le coffre. Est-ce qu'on a une route secours? Dans tout ce merdier, merde. Là. Dans tout... Oui, je vois la route secours, là. Je vois l'allée de secours. Un serpent, je dois m'en débarrasser. Ça! Non. Pas avec ça qu'on est en train de serpent. Bah là, si. C'est pas grave. Mais j'ai pas ce qu'il faut, désolé. Ah d'accord, tu récupères la roue sans même dégager le serpent, toi, réellement. Jouer pour chien. Oui, il y a une espèce de patte de chien sur le truc, là. Non, en dessous. Oui, là. Non, c'est pas ça. Mais non, un jouet. Un joujou. Il est là. Oui, mais d'accord, mais je sais pas ce que c'est, donc vu qu'il y a une patte de chien dessus, ça aurait mais pu être ça. Mais t'as fini de mettre des coups sur le... Oh. Mais... Jumelle.
Une batte de baseball. Allez, Stal, cherche. Balle de tennis. Là, à côté de Daffy Duck. Le bouclier. Tu vois un bouclier? Non, je vois que tu dois récupérer ton serpent. Ah bon? Ah oui. Et tu vois le bouclier? Et je vois la boule de bowling. Oui, je vois le bouclier. On dirait un casque. Non, c'est pas un bouclier, c'est un boulier. Ah, oui. Effectivement, c'est pas la même chose. C'est quoi un boulier? C'est ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est pour compter, avec des boules. Ah, ça? Oui. Une plume, une plume. Oh là là, attends, on n'a pas vu la plume. Non. Si, non. Si? On n'a pas vu la plume. Ah, c'est pas pour les sardines, ça? Ah. Une boîte. Des sardines. Des piles. Dans quoi on trouve des piles? Dans un appareil photo. Non, je sais pas. Bah pourtant ça se tient, hein. Techniquement. Techniquement. Ah. Ah ah, des piles. La plume. La plume. Est-ce que c'est une plume pour les clés ou une vraie plume? Elle a vraiment des conneries dans son coffre. Il y a un lézard et un escargot quand même. Bon, l'escargot passe encore, mais elle a un canard. Est-ce que tu vois une plume? Non. Je vois pas de... Non, c'est une chenille. Oui, bon, hein, c'est, ça, ça dépend du point de vue. Ah, mais, elle est là, la plume, elle était en plein milieu de l'écran. Bon, la plume, c'est fait. Et du coup, on a gardé la roue de secours. Bien joué, Thierry. La roue est bien attachée. Bah, je sais bien, mais comment... Attends. Justement, c'est ça que je cherche, moi, un outil. Un truc pour bricoler. On n'a plus accès au coffre. Une idée pour décrocher la roue? Non, regarde sur la carte. Ah oui, attends. Et ben d'après la carte, nous sommes au bon endroit. Sérieux? Genre... Ouais, tu peux chercher dans le bosquet. Qu'est-ce que... Avec j'ai pas laissé traîner mes doigts là-dedans. Non, c'est à eux. Bon bah très bien, très bien. Allez hop. Elle a juste crevé et en fait on dirait que t'as eu un accident violent et tout s'est éparpillé. Ouais c'est vrai. Hop. Voilà. Un petit coup sur chaque boulon. Et en vrai c'est plus dur que ça. Hein. C'est pas spécialement dur, non, c'est long. Chiant. Mais par contre attends parce que j'ai ouvert le capot, moi je veux bien mais il fait trop son pour voir le moteur. Qu'est-ce que... Ah, je mettrais pas une lampe à huile à côté du moteur déjà. Les plaques sont coincées. Est-ce qu'avec un chiffon... Non, je peux pas décrasser un peu tout ça. Un coup de lame peut-être. Ah, t'es barbare toi comme nana en fait. Ouais. Batterie. Oui merci. Attends. Tu veux quoi en fait? Tu veux déconnecter? Tu veux quoi? Tu veux que je frotte? Qu'est-ce que tu... Merci beaucoup Alcatraz. Bienvenue en tant que Kazma. Rejoins-nous. Rejoins la secte du Kazma Fish. Du Pookie. Du... Dis-moi Alcatraz, t'aurais pas des câbles? Des pinces crocodiles? Parce que là on est dans une situation, je te raconte pas mon pote. Ou ma poteau, hein. Je te raconte pas. Je comprends pas, attends. Je peux pas poser la lanterne là. Ah non. Poser quelque chose. Avec de l'eau. Je sais pas. L'eau est pleine de sédiments. Comment la filtrer? Ah, il faut peut-être remettre de l'huile. Je sais pas pour décrasser. J'en sais rien. Comment la filtrer avec un chiffon? Avec le chiffon, ouais. C'est quoi l'idée? Ça marche en fait, vraiment là dans la vraie vie, ça? Je sais pas. Techniquement, peut-être que tu crées des étincelles. Tu crées des étincelles et peut-être que. Peut-être que. Je sais pas. Je suis curieuse là, pour le coup. Oui, alors écoute, on essaiera sur une voiture qui n'est pas la tienne, hein. Oui. Avec Bandit sur R6. Oula, what the fuck? Attends, Stal, j'ai besoin d'un copilote. Oh. Alors, nord. C'est une bonne est, notion. Nord, ouest, nord, ouest. Je valide. Ouais, ça va, oh, me prends pas pour un glandu non plus. Attends, je veux bien que... Non, mais c'était sympa, j'ai cru que j'allais conduire, dommage. Oh là, ça continue, attends.
Comment je fais sud? La boussole indique toujours le nord. Donc le sud est à gauche. C'est comme ça. D'accord, donc l'ouest devient là en fait. Oui. Le nord. Sud. Le sud. Sud. Sud nord. D'accord. Ouh là là. Ok. Heureusement qu'on a cette boussole magique. Oui. Un peu de pétale de rose magique. Elle fait des tourbillons la boussole. Putain, mais la voiture elle fait un gros vouh. Impression que c'est un rallye à chaque fois. Alors ouais. Attends, faut faire une double machin ou. Là, ah, attends. Nord. Ça c'est nord. Donc sud-ouest, sud. Sud-ouest. Sud-ouest. Ouais. Nord. Attends, c'est compliqué. J'ai mal au cou là. Nord-est. À peu près. Non, nord-est, c'est là. Ok. Nord-est, deux fois. Sud-est. C'est compliqué. Ok, j'ai. C'est bon. La vache! Oh mon dieu! Ok. Non, c'est sympa! Franchement, c'est sympa! Something felt wrong, like the inn was covered with magic. Jolie piscine en tout cas. Le budget est présent. La douleur de la banshee. Are you human? Leave, are you still? J'ai peur parce que le premier truc que j'ai entendu, c'était. C'est tout ce que t'as à dire à ce moment. Oui. Genre tu viens de croiser un être noir qui dit et toi tu dis excusez-moi, vous auriez pas un Kit Kat? Non, j'ai faim là. J'ai la dalle, sœur. Qu'est-ce que... Wouah. Encore une zone pleine de perlimpinpins. Tu disais moi tout à l'heure mais tu fais la même chose. La photo est coincée, comment ouvrir la fenêtre avec une lame? Non. Et bien de l'autre côté, en entrant et en ouvrant. Je crois que cela dit bienvenue. Ouais, peut-être. Non, on dirait qu'on peut discerner un well. Donc, well. Wow, wow. Oh. Bon, là, d'accord, là, c'est rigolo. Ok, bah, tout droit, je sais pas. Un balai. Une caisse. Scrognigneux. Ah, d'accord. Qu'est-ce que. Bah, toi. Qu'est-ce que c'est que. Wouah! Ce n'est pas une porte ordinaire, seule la magie aura un effet dessus. Oh là là, c'est chiant. C'est un balai magique. Bah écoute, on repassera. Chez non, l'âme magique. Lanterne magique. ça fonctionne pas. La porte est verrouillée, il n'y a pas de clé. Trouvez les trois symboles et elle sera plus ensorcelée. Parce que là, il y a de la magie partout, c'est vrai. Oui, magie. Ah, tu peux regarder dans la piscine. Magie. Ah oui. Oh. Brille légèrement. Attends, c'est du cristal ton nénuphar. Mmh. Il est beau, hein. Moi je veux bien un nénuphar comme ça chez moi. Parce que c'est un nénuphar Swarovski. Vu la tête du truc, je le garde à l'intérieur. Alors attends, parce que le fragment de plaque, c'était là. Oui, je suppose. Parce que là il y a la pomme, le nénuphar. Et ça, on aurait dit le pot de fleurs qu'on a croisé tout à l'heure. Ah mais non, ça va pas du tout là. Non, ça va pas du tout là. Un balai, on peut pas décrasser un truc avec un balai. Bah non, mais un balai, ça sert à décrasser un truc. Nettoyer, non? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que t'as partout regardé. Que j'ai partout regardé. Partout regardé. Que j'ai pas le temps de regarder, là. Comment? Attends. Prête de faire mumiz avec ça. Mais je fais pas mumiz. Je joue ma vie. Là, il n'y a rien. Sur la gauche du serpent, le bout de plaque. Sur la gauche du serpent... Ah le serpent, là-bas. Hein? La porte. C'est un serpent. Ah bah oui. Mais c'est à l'envers. Oh. Non, il allait là, en fait. D'accord. Alors, touchez les symboles pour les changer. La forme au centre d'un symbole sert d'indice pour le symbole suivant. Hein? J'ai pas compris, tu dois faire lequel? Je sais pas. D'accord, donc en gros, ils doivent faire ça. Donc là, t'as les deux premiers. Ok. Oui. T'en manques un. Ah oui, c'est ça. Et là, on recommence. Hein? Bah, c'est bon, t'as trouvé, donc maintenant Il manquait un truc, d'accord. Oui, c'est pour ça. Et en fait, on pouvait discerner très vaguement, les bords. Oui.
Et là on recommence. Oui. Et c'est reparti pour le show. Et c'est reparti, oui, t'as les shows. Et c'est reparti, vas-y, bouge ton corps. Y a combien de symboles là? Ben pas beaucoup, mais regarde, il y est pas. Attends. C'est pas ça. Est-ce qu'il faudrait pas le faire à l'envers, peut-être? Qu'est-ce que... Ben non, il y est même plus, là. Nani? Hein? Pourquoi t'as remis celui d'avant? Ben, je sais pas, à l'envers, là. Y a pas le carré, attends, y a rien. Oui, y a pas le carré non plus, j'allais dire, ouais, si tu repars à l'envers. Je comprends pas. Peut-être que les symboles ont muté, enfin ils ont changé de forme sur quelque chose. Tu vois? Peut-être qu'ils ont conservé leur cœur. Leur cœur. Celui que j'avais était pas mal. Celui-là il est pas mal. Je comprends pas la logique. Mais pas trop vite. Mais non, il faut faire les trois en fait à chaque fois. Ah, il en faut trois? Oui. Non, parce que moi je partais du principe que si je réussis à aligner celui-là, bah les deux s'alignent en fait. Attends, ça bouge ça peut-être, non? En fait, ça se trouve là, on a que le début de la combinaison. Ensuite, on doit trouver les autres. Tous les autres. Non, c'est gros quand même. Non, ils ont dit. La forme au centre d'un symbole sert d'indice pour le... Ah, c'est bon, j'ai compris. Ah bon? Est-ce que c'est toujours le même symbole qui évolue? Oh, j'ai compris. C'est ça. Oui, d'accord, en fait, le... Ok, le centre du symbole précédent est la forme du prochain. Donc là, tu cherches un... Oui, c'est ça, c'est un carré. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oh là, d'accord. Et là, c'est ça, non? Et là, c'est... Non, non, oui, voilà. Ok. Oh là là. Ok, ok. Ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Ah, c'est sympa comme truc. Là, c'est une fléchette ninja. C'est un shuriken. C'était ça, c'était le ça. Non, ça. C'est ça. Ah, si, t'as peut-être raison. Si, si, t'as raison. Oui, j'ai raison. Ça va bien. Hein. C'est censé être ça, là, non? Non, non, c'est pas ça. Ah. C'est ça. Je le savais. Et du coup, la gueule du serpent s'ouvrit. Ah, il crache des flammes magiques. De Satan. La flamme de Satan. Du coup, je peux brûler la pomme. Et du coup, Ryu qui n'est pas content. Maintenant, faut récupérer tous les symboles. Ouais. La flamme. Okay. Mais bien sûr qu'on est des génies. Et le nénuphar. Vous êtes des génies. Pas oui, bien sûr. Non, c'était vraiment un coup de bol. Hein. Oui. Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. L'auberge tout entière est ensorcelée. Nous devons trouver un moyen. Non, nous devons trouver comment voir derrière l'illusion. Il y a un parapluie de l'illusion. Oh, ah, en fait, c'est la maison d'Hagrid. Parce qu'il y a le parapluie d'Hagrid. Oh, 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 c'est... Oh, il y a une marche cassée. Fais attention quand tu montes. C'est à moi que tu parles? Non, le personnage. Ah, tu dois trouver les différences en fait. Parce que depuis tout à l'heure, tu cliques pas. Ah, pardon. Il y en avait une au plafond aussi. Non, là, oui. Non, c'est pas une différence. Bon, passe, passe. C'est juste délabré. Bah, techniquement, le plafond est délabré. Est-ce que le trou dans le mur, là, compte? Là, là. Non. Non, je sais pas. Mais clique pas direct, regarde. Oh là là. Fouh. T'as ce que ça te dit pas, il t'en reste combien, en fait? Donc, tu sauras jamais. Mmh. À l'aide. Mmh. C'est le plafond, c'est pas possible. Bah, je sais pas, je clique. Ah, mais je sais pas, Ish. Bah, je comprends pas ce qui compte et ce qui compte pas. Moi non plus. Elle est crade. Ouais. Les carafes, là, tu peux? Ah, j'ai déjà fait. Ah. Au niveau de l'herbe. Non, je sais pas. Les marches de skate. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas considéré les planches du plafond, enfin, du premier. Ah, bienvenue dans le monde des ténèbres. C'est plus moche, hein. Ouais, c'est plus dégueu. Faudrait plus faire le ménage. Briser le sol aux autres endroits. Le sort. Ah, le... Faut la refaire, en gros. Pardon. Et elle dit de moi, hein. Oula.
Les Banshees sont des créatures qui souffrent tant que leur chagrin perdure. Elles se cachent dans les armoires et se jettent sur leurs victimes par surprise. Chauffez bien votre maison, les Banshees ne supportent pas la chaleur. L'aventurier prudent n'oublie pas de couvrir ses oreilles lorsqu'il traverse une zone où vivent des Banshees. Comme les mandragores. Sympatoche ! Les esprits mystérieux appelés doppelgangers sont très rares. Ils sont difficiles à identifier et à apaiser. Rien ne peut les atteindre tant que leur masque est intact. C'est ça qui a attaqué Madame Thomas au début, quand on a traversé le deuxième miroir. Face à une telle créature, la seule solution est de briser son masque puis de placer un miroir dans son champ de vision. C'est Médusa en fait. Oui. Enfin non, c'est pas Médusa, mais disons qu'on peut le vaincre de la même manière. C'est pas qu'il se transforme en pierre, mais en gros un doppelganger, s'il se croise lui-même, il s'autodétruit. Et là tu fous le feu, tu jettes le bouquin ou le balai. Non, je sais pas. C'est des clés? Non, à mon avis, tu vas juste foutre ça un peu plus loin. Faudrait un aimant. Tu peux aller à l'étage? Oh, on peut aller à l'étage. Vers la réception. Trouver les pelles d'objets liés. Faut trouver les mêmes... les mêmes masques. C'est de là. Celui-là. Ça me fait très très peur, les masques. Celui-là. 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 Avec celui-là. Ça te fait peur, les masques? Oui. De carnaval? Non. Oh, ça dépend lesquels je trouve jolis, moi, certains. Je suis pas fan au point d'emporter non plus, mais... Ma maman, elle a des masques du carnaval de Venise. Essaie de décoincer l'espèce de carte ou... Ouais, photo, là, de la fenêtre. Et ils m'ont toujours fait peur. Oh! Au revoir. Bah, du coup, il faudra ressortir quand on pourra. Ouais. Alors, qu'est-ce? Diana et McFly. McFly. La DeLorean. Retour vers le futur. Oula! On n'a pas les clés. On n'a pas les clés. C'est quoi la bois? Si je trouve des planches, je pourrais réparer les marches. Et bah, très bien. Cette espèce de petite crotte là, tu peux pas la récupérer? C'est la sonnette. Ah pardon. C'est toi la crotte. Le balai. Le balai pour balayer. Qu'est-ce que... Un aimant. L'aimant. Tu sais pourquoi? Oui, pour en bas. Yes. Je t'avais dit qu'il fallait un aimant. J'adore deviner les choses. Ah, les fameuses clés. Génial. Les fameuses. Avec tout plein de couleurs différentes. Oh, ça va. Allez, être c'est parti. Alors, c'est le cas correspondant pour les ouvrir tous. Okay. Comment ça fonctionne? Alors, il y a le petit carré jaune et une flèche bleue. Petit carré... Celui-là! Ah oui, d'accord, c'est le contour du... Un petit carré violet, une flèche verte. Une flèche... verte. Celle-là. Quoi, celle-là? Non, pardon. C'est du violet? Oui, c'est du violet. C'est du violet bleu, hein. Tu triches. Là. Ok. Du jaune, là. Non. Je suis mauvais là, attends. Là. Toute première. Non. Eh? Non. Bah. Attends, mets-la de côté. Ah non, regarde, en plus il y a des serrures argentées et tout. J'avais pas fait gaffe. Et là, il y a un petit rond. Et... voilà. D'accord, oui, d'accord, ça veut dire qu'elle est argentée, quoi. Donc, alors là. Que j'ai rien compris, voilà. Là. Non, doré, tu l'as dit toi-même, putain, oui. Elle vient de faire son explication débile et pourtant... Je regarde pas. Oh, là, du coup... Argenté. Là. Là. Ouh, ça fait mal au crâne. Là. Et violette, la serrure. Attends, ah ouais, c'est la seule serrure violette, t'as vu. J'essaie de te devancer. Là. Yes, on est fait un avant elle. Enfin, une. Là. Ouais. Ouais. Là. Et là. Là. Wouh. I feel good. Ta-n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 a. Yes, retourne à l'étage. Ta-na-na-na-na-na-na. Descends. Ta-na-na-na-na. Eh, attends, tu pouvais regarder par la fenêtre? Regarde par la fenêtre, peut-être que tu verras des trucs. Mais où tu vas? Bah, je voulais récupérer la carte. Bah, là, tu pouvais mettre ta lettre, wesh. Ça sert à rien, wesh. Non, descends. Là. Oui. Je voulais récupérer la carte avant d'oublier.
Le blastefeu. Il est verrouillé par un mot de passe. Ai-je vu des noms? Diana! Mais je suis pas sûr que Diana rentre. Parce que je crois pas avoir vu les lettres. La photo a disparu. Elle est passée où? Regarde près d'une nénuphar. Ouais. Aha! Ah. Oula. Ah. Une photo sur trois. Intéressant. Bon. Donc on a fait ça pour rien. À moitié pour rien. Globus de feu bleu. Ça rentre, Diana, mais... Tu peux bouger les fleurs. Faire les fleurs. Tourner. Ah oui. Ah. Ah. Ah bah si, bah ce sera Diana. Dia. Et Nia. Lady Diana. Ça va bien. Bah, pourquoi enfermer ça? Elles sont un enregistrement et une cisaille. J'ai pas compris. C'est quoi l'idée? Des cisailles. Pourquoi? Les chaînes à l'extérieur. Par contre, le magnétophone, ça doit être pour une cassette qu'on a pas encore. Là, la caisse en bois. Lady Diana. Mais ça va bien. Non. C'est les planches, yes. L'escalier. Oui, ah, voilà. Allons-y. Tout s'enchaîne. C'est tellement bon quand tout s'enchaîne. Bien. Oui, avec la colle, oui. Est-ce que ce serait pas d'abord la colle sur les planches, puis sur... Moi, je mettrais la colle sur l'escalier, pas sur les planches. Ah, c'est dégueu. C'est ragoûtant à l'extrême, ton truc. Quand tu dis... Ah, ah oui, d'accord. C'est... Oh la vache. Oui, bon, c'est logique quand même. Genre. Travaux pratiques, allez. Commence à M2. Allez. Là. Non, parce que la qualité là. De la planche en elle-même fait très là. Supérieure par rapport à l'escalier, en fait. Là. Alors ça va, t'es pas une marche près non plus. Là. C'est voilà. Parti. Par contre, tu ne peux pas monter. Tu n'as pas refait la rambarde. Cherche les secrets. La bougie, tu peux pas l'allumer? Les bougies, tu peux pas les... Oh, oh, oh. Non, au-dessus. Ah oui. Ah ah. Là. Ah ah, il en manque une. Ah non, c'est bon. Nous sommes des génies, très beaux garçons, seulement moi. tu es un très beau garçon. Oui, sûrement. On est des espions, très beaux garçons. Ah. À moi. À celui qui a la référence. À moi. Non, à l'inverse, je crois que tu dois... Ils foutent les photos, en fait. Oui. Oh. Chut. Alors, un casque de fourrure. C'est protégé, nous protégeons contre les cris de la banshee. Ah bah bien. C'est pas faux. Excellente. Quoi, c'est tout? Eh, il me manque une photo. Tu peux pas y retourner? Eh, il me manque une photo. Attends, un magnétophone. Regarde le coucou. L'horloge. Tu peux pas... J'ai regardé le coucou. La bibliothèque? Non. Réflexion quand tu nous tiens. Magnétophone, photo. Regarde, elle a ses petites oreillettes, c'est trop chou. Ah oui, j'ai pas vu, c'est génial. Misère. Et si tu remets un coup de lame dans la photo, tu peux pas trouver une photo cachée derrière? Sur la petite table à gauche là? La ouais. Table, une table. Oui. Non. Je sais pas. Et derrière l'un des portraits là? Y'a pas un truc? Et le livre, y'a rien? Non. Non. Ah oui, il fallait faire un feu. Ah bah nickel, on a des photos. Non. Non, tu pouvais pas récupérer la paille. La paille. La paille. La paille. 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 Où est-ce que je dois faire? Paille. 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 Dans le sous-sol. Il faut faire un feu. Hey. Il faut faire un feu. Hey. Oui, mais avec quoi? T'as fini d'où là? Fous ta lanterne ici. Bah, elle a dit du papier. Là, j'ai pas ta ça là, non. Le journal, elle est au feu. Je sais pas, attends, sors pour voir. Ah, peut-être... mais ni papier, ah, ni là. De colle enflammée. T'as un balai. Dans Minecraft, on l'enlève avec le couteau, hein. Enfin avec l'épée. Ah merde, c'est la photo. Fais chier, c'est pour ça que je veux. Oh, mais on veut pas avancer, nous, on veut faire du feu, il fait froid. Non mais, insupportable hein. Donne-moi du papier pour faire cramer le feu. Chut. Nous. Nous. Oui. Nous. C'est tout. C'est Dion. Chut. Si. Heureux. Ah oui, elle a l'air heureuse, ouais. Ah, ça a mal fini. On serait dans n'importe quel jeu du monde, j'aurais fait une save en drone. Regarde, t'es tombé dans l'océan. Tu vas voir la petite sirène passer là. Avec un crâne. Sous l'océan. Oh purée. Il est peut-être temps de faire le ménage. D'appeler quelqu'un. Tu es comme ça, toi.
Ouais. Alors Fiona, on s'installe, on s'en tient, on se boit un coup. Alors raconte-moi tes amourettes. Est-ce que t'étais amoureux d'un garçon à l'école? Et Madame Thomas, t'en penses quoi de cette traînée? Elle est gentille, mais elle est rousse, on peut pas lui faire confiance. Non, c'est ton personnage qui craque, littéralement après trois jeux Otherworld. Trop de temps passé dans l'autre monde. Lanterne! Journaux! Tableau? Est-ce que tu peux pas fouiller dans un tiroir? Cuillère! Arthur! Rose. Enfin, normalement, il dit Arthur Cuillère, mais. Et une clé. Une clé. Je vois bien la clé dans un oreiller avec le couteau, ouais. Ah ah! Maline, en fait, t'as direct vu qu'il fallait un couteau. Oui. Et alors, comment t'as su? Grâce à mon esprit de déduction. Non. D'accord. Elle a dit qu'elle sentait quelque chose à l'intérieur. Ah bah voilà, t'as du papier. C'est toi qui m'as fait peur, là. Non, je te jure, elle m'a vraiment fait flipper. On la voyait pas. Ouais, bah je vais faire un feu. Ah, d'accord. Non, mais on la voit pas, là. Putain, mais non. Non, mais elle m'a vraiment fait flipper. T'as vu le regard du monstre? Bon, je reviens. Je reviens, il fait froid, cocotte, hein. Par contre, j'ai rien pour l'allumer, à part ma lanterne. Ça marche? Maintenant, oui. Qu'est-ce que... Je sais pas, je m'en vais. Ah. Ok. C'est bon, là. Ferme la fenêtre, parce que sinon, ça chauffe pour rien. Techniquement, ça chauffe pour rien. Là. Oui. En plus, il y a des petites bougies. Ah, t'aimes pas, hein, pétasse. La violence. Elle a un joli corset. Oui. Goûtez à ma douleur. Magnétophone. Et que je retrouve. Ah. Oulala. Est-ce qu'on est en train d'inverser le curseur pour changer la fréquence? Un indice se trouve en haut à droite. Eh mais c'est... ils étaient déjà dans le turfu avec les magnétophones. Et... Bah alors la spécialiste du son. Non, je suis pas spécialiste. Oh, c'est joli. Oh, ça fait des jolis chants. Ah oui, mais alors je comprends rien. Tiens, attends. Attends, donne une oreille. Vas-y. Oui. Oh, tiens, garde ça, t'en auras peut-être... C'est tombé. Ah, je dois peut-être écouter. Bah, je sais pas, c'est pour ça, garde-le tant qu'à faire. Tiens, tiens-le. Ah non, ça marche pas. Tiens, tu veux suite gauche? Oui. Hop. Vas-y. Attends, j'ai pas vu le premier. Non. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut modifier en fait? Tout est jaune, t'as rien de bon. Hein. Oui, mais j'ai pas de couleur verte. T'es sûr? Non, je sais pas. Techniquement, quand t'es jaune, c'est que t'es pas loin. Si tu descends le premier d'un, ça marche pas. T'as déjà essayé? Ça fait rien. On le voit pas, à mon avis, il est bon. Tu penses? Ouais. Non, ça devait être l'inverse, il devait être en dessous. C'est pénible, quand même. Ouais, vas-y. Ok. D'accord. Ok, on commence à comprendre, les gens. Normalement, hein, parce que... Pour l'instant, ça me sert à rien. Mais en fait, ça donne des astuces. Regarde, ça te donne des astuces. Le bleu, il est là. Celui-là, il est là. Quand ça te dit ça, c'est que c'est un des deux, en fait. Mais non, parce que regarde, quand je le bouge, ça bouge. Ouais, mais c'est juste pour te dire que t'es sur cette ligne-là, en fait. Oui, ça sert à rien. Il est pas bon, celui-là. Si. Non, il était gris, regarde. Non. Si, ah oui. Si. Bah, descends le d'un. J'aurais bien dit de deux, mais... Ouais, moi aussi. Ah mais non, je suis bête. Non, ça n'a rien à voir, en fait. Ce qu'on voit là, c'est ce qui est modifié là-bas, en fait. Quand on bouge un là, ça le modifie en haut. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, pardon, excuse-moi, tant pour moi. Je t'ai même montré. Il faut que la partie bleue, puis la partie verte, donne la partie rouge. On est dessus. Ouais, d'accord, mais... C'est bon, tout est bon, là? Attends. Refais un tour? Ah oui, d'accord. Donc, en gros... Bah non.
Est-ce que c'est par rapport aux emplacements ou juste une addition normale parce que... Non mais c'est toi qui déplaces les notes. Oui, j'ai compris. Parce que ça, d'accord. Ça, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Là, c'est bon. Là, il en faut 0 en fait. Non, c'est au milieu 0. Là. Attends, non. Je comprends pas. Il faudrait que le vert, il y en ait pas en fait. Quand il n'y en a pas, c'est au milieu. Oui, mais t'as pas compris. Si, j'ai compris que ces deux-là doivent faire ça. Bah oui, et donc là, il y en a pas. Et bah oui, donc tu le laisses au milieu. Oui, mais là, il y en a sur le vert. Donc ça devrait en mettre là. Je sais pas. Là, il en faut je sais un pas. Haut. Et il y a le vert en bas. Ça va ? Oh, c'est compliqué. Ils sont pas bons, ceux-là. Ouais, c'était mieux ma technique, hein. Ta technique de... D'écouter. Pour l'instant, ça a été bon partout. Donc... Oui, oui, c'était mieux ce qu'on faisait. Non, mais j'ai compris le principe, mais... Oui, moi aussi, j'ai compris le principe hein, depuis tout à l'heure. Non, c'était... Ouais, c'était celui-là. Par contre, le dernier, il est pas du tout bon. Mais le en bas, ouais. Style DJ. Pas mal. Okay. Mais alors, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que ça se. Est-ce que ça s'entend? D'accord. Est-ce que c'est une sonorité? Non, en fait, voilà. Ils s'annulent les deux. Enfin. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Mais c'est pas logique pour moi. C'est vu que c'est une addition. Bah moi je l'avais compris comme ça, c'est que ça s'annulait. Par contre oui, en effet je comprenais pas le dernier. Donc, alors attends, parce que la Banshee, j'ai ce qu'il faut pour la calmer avant qu'elle se remette à crier. Coup de couteau. Il y a toujours une solution mais pas celle-ci. Un sac poubelle. Mais le carnet, je sais pas, non. Ah le carnet, tu veux faire quoi avec le carnet? Mais je sais pas, elle a dit qu'elle avait quelque chose pour la calmer. Ah, ah, ah. Elle redevient une gentille damoiselle. What's this? A journal from him. He was happy with me. But why did he leave? Parce que c'était dangereux peut-être pour lui, même s'il t'aimait à fond. So full of grief that I started to turn. Non, il n'était pas un monstre avant qu'il parte. But I know he cared for me. Thank you. Donc en fait, on saura jamais. Attends, c'est hyper triste, je veux savoir. Je veux savoir pourquoi. Oh. 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 Tu vois là, c'est logique un portail qui sort d'un placard. Narnia l'avait déjà inventé avant d'ailleurs. We have both the mermaid's despair and the banshee. Le désespoir de la sirène et la douleur de la banshee. Such tragic stories. But the magic gained from these emotions will put an end to the shade. On avance bien, on avance très bien. You saw my reflection. Terrified over a masked shadow? How? I've been here all this time. The shade must be trying to confuse you. Moi je dis que l'ombre a pris possession d'elle. Moi je dis qu'on voit dans le futur. À vous de voter, Stalgeta. Ah mais c'était ça hein. C'est parti, direction les montagnes. The artifact you must find is called the proof of undying love. Beware, it is guarded jealously by a pixie. For centuries, the pixie has trapped unwitting travelers who have strayed towards her enchanted mountain. She will not let go of this artifact easily. You must find a way to use her magic against her. Comment elle était trop mimi la fée ? L'histoire d'un amour éternel. Tu reprends ou je reprends ? Non, vas-y. Allez, c'est parti.
Un bout de torchon. Non, pas du tout. Un fragment de menhir. De menhir, des champignons. Pas du tout. What have we here? Elle a une voix en vibrato. Come on in. Such pretty decorations you'll make. Elle est pas très très gentille, hein. Non, faut faire quoi? Est-ce qu'il faut pas ramener ces trucs-là? C'est marqué amener les nuages de magie sur leur silhouette pour détruire l'étoile de la. Donc c'est ce que j'avais dit. Donc zut. Oui, mais tu lis pas. Chaque fois tu demandes. Oui, ce mais, qu'il faut faire, d'abord mais je pose la question, ensuite je réfléchis. Deux secondes. Oh là là. Non, il faut faire l'inverse. Ah, et te noyer et ensuite te demander si ça te fait plaisir. Je peux? J'aurais commencé par le bout. Heureusement que je t'écoute pas, hein. Non, mais... Incroyable, hein. Gauche ou droite? Allez, gauche. Ouais, on va voir. Faut retrouver cette crotte. C'est ce truc-là, on est d'accord. Oui, on dirait. Sauf que... Ah oui, d'accord. Ça ne peut pas y aller. Ah. 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 Ah, ah, ah! Ah! Viens là! Ok, ça c'est bon. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Attendez, sors de là! Yeah. Et voilà. Easy peasy poney. Non, monte là. Non. Bordel. Voilà, s'il te plaît. Le caca de l'espace, il va là. Et ça, ça va là. Parfait. C'est bon? Ça vient bon. Ensuite, ce truc moche, ce truc immonde, ce truc qui ne ressemble à rien. Ah d'accord, c'est un poulpe. Attends. Donc ça, ça va aller là. Ça, ça va aller là. Tac, 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 tac. C'est pas évident. Des fois, ça suit pas ce que tu fais en fait. Zoom. Non, c'est... Oui, oui, pardon, je crois plus bas. Et voilà, je suis un génie. Donc les commentaires, ça va. Hein. Non, mais... J'aurais déjà fini jeu sans toi. Oh, bah, vas-y, mais non, reviens, je peux pas le faire sans toi. J'ai besoin de motivation. Et vous agirez tous les ici, prisonnières de ma montagne. Moi, une si petite chose qui tient une si grande chose entre ses mains, c'est chaud quand même. Le repère d'une fée est une montagne. Je l'ai totalement coupé dans son oeuvre. C'est pas grave. Il nous faut une pioche, une canne à pêche, la corde. Ça, je peux pas prendre. Un moulinet sans fil de pêche. Oui, donc on va construire une canne à pêche. Il y avait des champignons. Je peux pas récupérer les champignons. Non. Soy. Fragment. Ainsi qu'une boîte. C'est une vieille boîte d'hameçon, les hoquets sont rouillés. Pourquoi tout est rouillé dans les univers des Point and Click? Pourquoi tout est rouillé? C'est un dis-moi pourquoi tout est rouillé comme j'en ça. J'en sais rien. Menhir! Une petite pousse magique à gauche là. Ah oui. Oh la petite pousse magique. Soy! Non, soy! Non. C'est une plante magique à la soif. Oh, mignonne petite plante magique. Soy! Ça je prends 4 sur 6. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a marqué son territoire. Il aurait pu pisser comme tout le monde. Hein. Cette elfe est décidément très possessive. Dis donc. Elle s'arrête pas. Hein. Donc c'est une elfe. D'accord. Bah je sais pas, moi les elfes je les vois plus grands. Ah. C'est un cliché d'elfe. T'imagines à deux voix tu utilises ça, elle te dit raciste. Ah bah non. Non mais je sais pas, je me dis c'est quoi que... dans l'eau là, la lumière. Oh. What? Oh, sorry. Ouais. Limite, je préférais ma version. Haha. Dans l'eau, où ça? Là, sur la berge, ça? Ouais. Oh, bien vu. Il y a quelque chose là-dedans, mais c'est très profond pour que je vois de quoi il s'agit. Je dois d'abord trouver comment traverser le ruisseau. Soy. Et voilà. Un pont bateau. Un pont bateau. Ça. Du coup, et bah du coup, c'est bon. On peut pas récupérer la pelle. Si, il te la faudra la pelle. Ah bon?
Oui, t'as un petit monticule de terre à creuser. Exact. Et Gezak, t'es... Il a un petit bonnet. Un canard sauvage, il a l'air affamé. C'est quoi ce canard du swag? C'est un canard hipster avec un bonnet du swag le plus total. Il était génial, son bonnet. Alors, viens voir. Sting. Ouh là là, tu le fais ou je le fais? Comme tu veux. Eh bien, écoute, je fais ça et je te propose de reprendre la main ensuite. Du coup, le reste me sert à quoi? Ah, d'accord. J'étais en train de me demander pour de vrai. Ça sert à rien, lui. Attends. Ah, voilà. Déjà. Qu'est-ce que c'est que ces morceaux qui n'ont aucun sens? Ah, il y a un morceau, là! Je l'avais pas vu. Ah, voilà. C'est un portail. C'est une forme de main. Oh! Oh oh oh! Une érection vers les cieux. C'est pour ça que c'est interdit au moins de 14 ans. Waouh! Juste pour cette scène! Ah mon dieu! Madame, à vous. Oui, sélectionnez les pierres pour oui, bonjour. Moins, elle, pour terminer, elle est née, elle Je suis dans la file d'attente depuis tout à l'heure, bonjour. Oh, ça va être chiant. En fait, tu dois relever tous les. Oh là là, oh là là. Raté. Ça va, te la pète pas, ça va. J'aurais pu le faire aussi, plus vite. Bon. S'éloigner du mur. Graine magique. Waouh. Une graine magique. Une graine œuf magique. Claire comme le cristal. Comme le cristal. Ah ouais, techniquement, on pouvait avancer aussi, mince. Il est pas très malin que le lynx, le Kazma, hein. C'est une caravane. Comment elle a fait pour foutre cette caravane là-dedans? Wow! Hein? Il faut aligner les lumières! Jusqu'à ce que le saut soit... Quoi? Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bizarre les déplacements. Non, attends, t'es, techniquement, t'es peut-être pas mal. Bah, t'as plus qu'à trouver comment one-shot le jaune. Ah putain, il me reste un point. Oh, je l'avais pas vu. Attends, je parie que la réponse était totale. Très bien, ça va. Oh, bon. Ok, ok, j'avoue, tu gères. C'est énervant, d'ailleurs. Il y a un truc que tu peux récupérer au sol, là. Oui, ça. Ah, un chapeau de... Une gamelle. De tout ce qu'il y avait, t'as récupéré la gamelle du chien. Tu devais être vraiment affamé, hein. La papelle. Oh, la plante. Oh. Elle a l'air d'avoir très soif. Mais elle brille d'une aura magique. Une aura magique. Mais pour ça, il faut une pelle magique. C'est la demeure de l'elfe. Elle doit y rester. Non, elle doit y garder ses affaires. Une gamelle que tu peux... Voilà, remplir d'eau. Pourquoi t'es plus malin que moi, là? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, Stal et le haricot magique. Alors, sélectionnez toutes les petites fleurs qui sont attachées à la grosse fleur, puis sélectionnez la grosse fleur pour l'ouvrir. Attends. Je suis pas sûr, le jeu. Tu dois trouver que celles qui sont attachées, c'est ça? Ouais. Faut croire. Si t'essayes d'ouvrir la grosse, ça fait quoi? D'accord, d'accord. One shot, ok. Ça, là, elle a one shoté 3 épreuves de suite, là, sans pression. Oh là là, mon érection. Oui, monsieur, oui. C'est ton cerveau qui est en érection. Du coup, tu vas aller faire boire de l'eau à celle-là? Ouais. Ah ah! Pousse! Wouhou! Haricot magique! Ah, bah, du coup, tu peux pas grimper. La tige est trop lisse pour que je m'en serve pour grimper. Peut-être y a-t-il quelque chose dans les environs pour m'aider. Tu prends ton couteau et tu peut-être grimpes. Peut-être y en a-t-il d'autres dans les environs. Ah. Qu'est-ce que t'as lu? Bah, ouais, j'ai cru que c'était pour t'aider. La gamelle d'eau magique. Non, à mon avis, il faut d'abord que tu creuses. Ah, bah oui, c'est ça. Tu creuses, puis tu mets une graine que t'as récupérée. Et bah oui, mais il faut le manche. Et le manche, on va le trouver plus loin. Dans la caca-caca-caca-rafane. Ou peut-être que c'est le canard affamé qui l'a. D'accord. Ah. Ou peut-être qu'elle est là. Oui, c'est vrai. La porte queen quand j'essaie de l'ouvrir.
Allons chercher la pelle. De l'huile pour les gonds. De l'huile pour les gonds. Merde, la pelle. Oublié. Je pensais que j'avais pensé, moi. Oh. Ah, c'est la pelle pour pelleter la terre. C'est pour pelleter la terre. Oh, là tu mets la graine. Pourquoi il y a un emplacement de graines? C'est pas le bon motif? Ah oui. Ça, mais alors... non. Ça veut dire que t'as pas la bonne graine pour le bon trou? Ah bah merde, j'ai pas d'autres graines moi. Attends, retourne en arrière. Vas-y. Là dans le mur. Bah viens, du coup, j'ai pas d'autres graines moi. Avec la pelle, tu peux pas. Tire un peu. Ou avec la pelle, tu peux pas défoncer la boîte. Fais le levier sur la paroi avec la pelle. What? Elle est violente la nana. Bah oui, attends. C'est de la roche. Voilà. Oh. Touche un bouton pour le faire fleurir ainsi que tous ceux qui le sont genre. Quoi? J'ai rien compris. Ça tombe bien, moi non plus. T'en as mis une. Elle est où? À gauche. Ah oui. L'espèce de bout de chewing-gum seul là. M'énerve. Elle m'énerve. Ah là, elle a fait tac 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 tac. Mais ça va, suivant. C'est pas trop compliqué. Tac 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 tac. Suivant. Jack, Stal et le haricot magique. Oh, une cabane. Une cabane. Une tente. Ah ah. Hey, t'as une pelle, tu l'éclates. Comme dans Top Chef. Tu sais qu'on avait fait une boule. J'ai plus ma pelle. Oui, oui, oui. Lors des sélections. Oui. Il y en a qui avaient fait une boule de purée, je crois, je sais plus. Elle avait mis un coup de cuillère et ça avait éclaté partout. Cette vieille carte ressemble à la mienne. Peut-être qu'un membre de l'association est venu ici. Un membre de l'association? Entrée 878, trouver une carte ancienne. Quelqu'un est venu avant nous ici. Mais que lui est-il arrivé? Ta-ta-ta-ta. Mais non, pas ça. Crétine. Crétine. Pourquoi tu prends un élastique? Je sais pas, elle m'a dit que ça pourrait servir alors. Pourquoi tu fais des trucs inutiles? Pourquoi un tu veux pas être une véritable héroïne de jeux vidéo? Je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à respecter les héroïnes de jeux vidéo parce que la plupart sont des héroïnes de point and click. Si, il y a Tomb Raider qui relève le niveau un peu. Eh, c'est le gamin qu'on voyait pendant la cinématique. Le monsieur. Mes compagnons disparaissaient, y en a un. Si vous lisez ceci, faites demi-tour dès que possible. Il n'y a rien pour vous ici. Eh ben. Eh ben. À part foutre le bordel, là t'as pas fait grand chose. T'as renversé les poubelles comme une. Ah, de l'anti-rouille. Ah bah voilà. Perfect. Techniquement, on progresse. Un chiffon peut-être. Ce serait bête de te salir. Je veux dire, où point on est. Yeah. Est-ce que tu peux pas récupérer la bobine aussi de fil? Non. Non. Non, non, c'était pour savoir. Il y avait un autre truc rouillé. Oui, les gonds de la porte. Les gonds de la porte? Ah, de la caravane. Ouais, il me semble. Egozact. Psst. Psst. J'adore le bruit que ça fait. On dirait vraiment psst, un gars psst, qui fait. Psst. 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 Coucou, c'est moi! J'arrive. Salut, c'est nous! On prend de la place et on s'incruste! Et là, le poisson, il se met à chanter. Ça serait génial. Ce miroir, elle est important, mais il est terni. Comment l'activer? Un petit coup ici, là, hop hop hop, on n'en parle plus. C'est bien fermé, quelque chose peut peut-être le déverrouiller. Un tournevis! T'as pas un tournevis? Non. Une lame! Oh, t'as une pelle! Tu mets un coup de pelle. Ça fait glong! Il n'y a pas d'électricité dans la caravane, je ne peux pas ouvrir ça. Carrément! T'as mis quoi là? Des pièces de panneaux de contrôle. Remettez les pièces Oula de panneaux de contrôle à leur place. Tu Alors. Les as dans ton avant. Non? Ah oui, non, oui. Là? Là, peut-être. Non, ok, ça se tient. Là. Non, là. C'est une valve. Ouais, je l'aurais mis là, moi. C'est pas une valve, c'est un cadran. Ça, t'es sûr que c'est un cadran? Non, ce que je tiens dans la main. Oui, là. Non, moi je te parle de ça là. Ah oui, je parle pas de la même chose. Relâche ton truc, relâche ton truc. Là, t'as un bout de truc à mettre là. Voilà. Ce truc, bonne question. Eh ben non, non, je vais dire une connerie. C'est un bouton, ça, on est d'accord, hein. C'est pas autre chose. Oh oh, ça, voilà. Ah, ça a changé. Ah bah voilà, c'est pas pour ça là. Non, doit falloir l'ouvrir peut-être.
C'est bien. Waouh, il y a des joyaux. C'est beau. Qu'est-ce que... Rappuie sur le bouton. Ah, ça montre l'emplacement des pièces, en fait. Ah bah, il va au-dessus. Ah, le cadran, là, hop. Il va au-dessus. Je le savais. Ouais, mais... ça, on l'a fait. Sont les fusibles, là. Enfin, les fusibles. Tu peux pas ouvrir les armoires. Bingo. Ok, essaye de le mettre dedans. Ouais, vas-y, là. Non, je peux pas. Genre, au-dessus du tuyau, là. Et la celle du milieu, tu peux pas l'ouvrir. Non. Hein, c'est quoi, ça? Ah, oui, d'accord. Oh. Tourne la manivelle. Non. Non, je pense qu'il faut que je fasse ça, d'abord. Eh bien, allons-y. Mm-hmm. Le cœur. Oh! Du calme. Et voilà! Le socle? Il est où, le socle? Ah, la clé. Ouais, j'allais dire là où c'est fermé. Et voilà, on a terminé Crash Bandicoot 2. Hey! Je peux aller loin. À moi. Oh bah qu'est-ce qui se passe? La souris a disparu. T'as encore tapé le micro. Oui, bah oui. Mais je te dis de l'écarter si jamais, hein. Tu veux pas l'écarter. Il est trop loin après. Oh, après tu m'entends plus. Mais c'est pas moi qui t'entends plus, c'est les gens qui t'entendent plus. Alors la canne à pêche. On a tout? Je crois qu'on a à peu près tout. On peut rien faire pour le moment avec le miroir? Rien de réel? Bah bon, et bah écoute. Repartam. Attends, on peut pas. C'est pas du tout là où je voulais aller. Apparemment, j'ai un truc à faire ici. Tu peux pas ouvrir le... Il n'y a plus rien ici. La boîte avec le hameçon, je sais pas. C'est métal, mais pourquoi pas. Mais non, tu... Ah oui. Bah alors. Mais il s'en boit. Ah bah ça fait des appâts, donc c'est un peu gros peut-être. Non, pour le canard. Ah, le canard hipster, tiens. Bon appétit. Ah, ma... Ok. Un canard hipster fait. Un élastique, elle a dit. Ah oui, pardon. Oups. Non, parce que moi, je l'aurais d'abord sorti de l'eau et ensuite j'en aurais fait un truc, mais. Mais. Du coup, attends, parce que maintenant qu'on a le masque, est-ce que. Oh, mais vous m'embêtez! À chaque fois, on va dans des endroits qui n'ont rien à voir. Hein? Ah, c'est le masque qui permet de voir, peut-être. Non, je vous jure. Bah, qu'est-ce qu'on a changé de beau au miroir? Bah, on a enlevé le truc magique qu'il y avait sur le générateur, enfin le tableau de contrôle là. C'est pas bête. Quel bonheur! Un mortel est monté en haut de ma montagne. Peu d'humains ont découvert mes sentiers secrets. Ils pouvaient les voir et me voir moi. Ils faisaient partie d'une association qui documente le monde féerique et protège les humains des créatures. Ils voulaient repartir. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je lui ai proposé de rester avec moi pour toujours, mais il a dit, peu importe ce qu'il a dit, il devra apprendre à aimer cet endroit et m'aimer moi. Donc la fée était amoureuse d'un homme, c'est ça? La fée est tombée amoureuse d'un humain, ouais c'est ça. Ah merde! Ah c'est gros comme histoire. Oh. Du coup on a une partie de l'artefact là, je crois. Il ressemblait pas à ça l'artefact. Ça va? Oui mais justement on a que la moitié. Peut-être qu'il faut le forger tu vois, le reforger, je sais pas. Bon alors attends, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire une canne à pêche là. Non? Moi je ferais bien la canne à pêche. Ça. Ah. Voilà. Voilà. Attends. Peut-être que ça faut le mettre directement là. Il y a des étapes là. Ah oui, pardon. Alors attends. Étape 1. Réunir ça et ça. Ok. Étape 2, c'est le fil. Étape 2, c'est fait. Étape 3. Étape 4. Et voilà! The canne à pêche! Pour aller pêcher le canard magique. Où c'est qu'on peut pêcher? Bah, dans l'eau. Oui, merci. Dans quelle eau? Bah, dans l'eau, il y avait les lumières là. Ah, pour choper les trucs perdus! Ça m'a paru logique. Alors, les oursins s'arrêtent quand on touche leurs orbes. Faites-les s'arrêter au bon endroit. Ok. 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 C'est un peu facile quand même.
Allez, on attend maintenant et maintenant. Je tiens à dire que Stacy. Bon. Oh, peut-on récupérer le sac? Un petit sac, zut, je ne peux pas l'atteindre. Oh, dommage. Hop là. Eh, de l'expérience en pêche, hein. On ne rigole pas. Tu imagines pas le temps qu'il faut pour pouvoir maîtriser une précision pareille à la canne à pêche. C'est chaud pour de vrai. T'as jamais pêché, toi? Non, jamais bien. J'ai une expérience. Je suis pas extrêmement fan, mais c'est une expérience. Je pense que c'est intéressant d'avoir au moins essayé. You're like him, aren't you? With the sight? Well, you'll not take him from me, for my love keeps him safe. Dommage qu'elle soit aussi cinglée parce qu'elle est stylée, hein, quelque part. Mais elle est pétée du cul. What the fuck? En fait, faut recréer une BD! Faites glisser la boule magique de l'elfe vers elle. Oh, j'aime pas ça. Ok. Comment on va? Bah, c'est comme. Ah oui, là. D'accord. Hein? Ah, voilà. Ouais. Là, quand tu veux, hop. Ça m'a l'air dur, tiens. Si, ouais, mieux à droite. Attends. Toc. Bah non, tu descends juste là. Toc. Et voilà. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai juste fait une étape en plus. Fine. Take his heart. It changes nothing. He only has eyes for me. Je suis pas convaincu du tout. Qu'est-ce que c'est, du pollen? Trouver toutes les perles. Une perle. Deux perles. Un escargot. Ah. Oh, merci bien. Là, il y a un truc. Ah non, c'est des plantes. Si tu vois des perles, n'hésite pas. Hein. Une perle. À droite. Et une perle, c'est quoi ça? Une perle. Attention. Une perle. Encore trois perles. Tu peux ouvrir les perles. Ouais, mais pas toutes. Ah! Ah si! Il y a une couleur que tu préfères? Non, regarde les champignons. Ah oui! Blanc. Ok, vert. Ah bah merde. C'est la seule qui bougeait pas. Ah, bouc. Merci. Et il n'en manque plus qu'une. Un truc là, on dirait. Oui. Je pense qu'elle est débile. Tu peux pas faire dégager le papillon, je sais pas. Oh. Bien vu. Stal, une génie. Envoyée des cieux. Mais on aurait pu finir le jeu sans elle. Hein. Je précise. On aurait juste mis un peu moins de temps. Oui, alors elle avait pas dit qu'elle nous donnait le cœur de monsieur? Parce que, voilà, quoi, il nous manque la moitié. Oui. Non, peut-être, je sais pas. Pourquoi le campement? Dans la grotte, je sais pas. La grotte est considérée comme le campement? Ah oui, d'accord, c'est un zoom sur... D'accord. Oui, alors attends, il y avait quoi dans la grotte? Ah non, ressort. À gauche, ah là ouais. Pourquoi faire? Mais il y a des trous dans les rochers. Mais les perles. Ah, mais on n'a pas toutes les perles. Mais si, il y en a 12. Ça, c'est le morceau de cœur. Ah oui, merde, j'ai cru que c'était 1 sur 2. Pardon. Ok. Ah, bah attends. Sol. Ok. Sol. Gratte. De l'eau. Ah oui, bien vu. Oui. Maintenant on peut gratter. Non. Un chiffon. Oh, c'est un peu gros le coup du chiffon. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Très bien. Très bien. Et voilà. Le morceau du cœur. Donc maintenant, direction eh bien la statue. Jack, stalle la pierre magique. Et l'érection matinale. Nyaha. At last. My spirit is free. You are mon âme est libre. Repose en paix. Pardon, excuse-moi. The proof you need is in my Il pourra jamais reposer en paix si je bloque le dialogue. Imagine que tu restes appuyé là et tu vas manger ou tu pars faire une course. Tu pourras jamais être libéré.
C'est un artefact dangereux. You could use it to destroy evil as you claim, but in the wrong hands, it will enhance evil instead. Dommage, j'ai pas l'impression qu'on ait de grosses conclusions avec les petites histoires de chaque miroir. J'aurais bien voulu une vraie conclusion avec la Banshee ou même lui. Regarde, tu vois, on n'a pas de conclusion sur la fée clochette. Oh, c'est dommage. Enfin, sur l'elfe fée clochette. Descends le long de la tige. Bah non, t'as le portail. Ah oui, pardon. Non, parce que j'avais vu marquer descendre, mais j'ai... Ok. Bah voilà. These artifacts are all dark, negative emotions, not positive ones. Tu l'as entendu? Why does Miss Thomas really want these? It's time to confront her, but I fear I might not like the truth. Moustique. T'avais sûrement raison. Madame Thomas est sûrement une saloperie. La dernière mascarade. I see you have questions for me. All in good time. Or maybe not. Attention, révélation, doppelganger. It's too easy finding this home, taking the shape of your beloved teacher. Donc c'est pas Madame Thomas. Bah oui, c'est le doppelganger. Oui, c'est ça. Shade to his glory. Il lui a pris son identité. Et pas beau. Et pas beau du tout. Attends, il y a trois miroirs, il devrait pas mourir tout seul? Toi qui se regarde pas. À toi. J'ai fait toutes les dernières énigmes. Sélectionnez un symbole pour le retourner. Trouvez les paires de symboles qui forment ceux qui se trouvent dans le cercle. D'accord. Voilà. Je pense que tu dois trouver tous les symboles cumulés qui font, qui forment le symbole. Ça sert à quoi les flèches? Ah non. Pourquoi t'as dit ça? D'accord, ok, t'as compris ou pas? Mmh. En gros, ça, c'est l'association de deux symboles. Tu dois trouver les deux symboles qui forment ce truc. À chaque fois. Pas ça. Non, pas ça. Pas ça. Mais on en avait un qui ressemblait beaucoup tout à l'heure. Pas ça. Pas ça. Eh, ça... Ça. Si, c'est ça. Okay. Ça avec quelque chose. Cherche une pointe comme ça. Une pointe droite. Un angle droit. Vas-y, remonte. Ouais, voilà. C'est ça et ça. Voilà. Ok. Ok, on en a un. Ensuite... Pas ça. Non. Non. Pas ça. Non plus. Pas ça. Pas ça. Non plus. Non pas plus. Ça. Non pas plus. Ça. Ah. Ah, quoique. Non, non, c'est pas ça. Ah ah. Ça. Et bah ça. Ça. Nickel. Bien joué. Le moustique, il me stresse. Il tourne partout. Il joue le moustique. Je sais pas. Je sens qu'il est autour de moi. Alerte au moustique! Ah ah! Non, non, c'est pas ça. Pas ça. 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 Non. Et ça. Ça. Ça et ça. Ok, on en a deux. With that. Ça. Et pas ça. Et pas ça. Et ça. Bien joué. Ça. Et pas ça. Ça et ça. Et ça. Et bah pour finir, logiquement... Ça et ça. Yay. Bien aimé celle-là. Le coup d'épée à retrouver qui forme un truc. L'ombre! Les ténèbres! Direction la dernière zone? Non, on peut y aller? Miroir! Oh mon beau miroir! Touchez le miroir! Qu'est-ce que. J'ai pas compris, où est le doppelganger? L'ombre absorbe la puissance magique des artefacts. C'est l'heure du combat final. Il est cassé le miroir? Si seulement je pouvais réactiver les miroirs et partir d'ici. Bah le tissu tu peux pas nettoyer. Attends, il y a un livre. What the fuck? T'as vu? L'ombre il a pris la place des trucs. C'est pété? Oui, au sol, il y a un bouquin. Ah ah. Trouver les vignettes montrées dans le bar en bas. Ah, dans le bar du bas, oui d'accord. Dans la barre du bas. Il y a une épingle là. Le Z il y a. Ok. T'as trouvé le R chelou, le 1 chelou, le 1 chelou, ça, le E à l'envers, enfin ça ressemble à un E, c'est quoi? Fait des vagues, ah là, voilà, et ça c'est ça, et voilà, on progresse toujours plus jeunes gens. Je pense qu'on a une zone de la fin, tournez les pages, tu parles ou je...
Les doppelgangers jouent leur rôle aussi longtemps qu'il le faut, trompant même leurs alliés et ceux à qui ils obéissent. Ils se dévoilent rarement et seulement lorsqu'ils sont certains d'avoir gagné. Un doppelganger n'a pas de visage, il est terrifié à l'idée d'être démasqué en présence d'un miroir. Dévier sa magie pour détruire son masque puis montrer lui un miroir. Nous pouvons l'utiliser pour partir d'ici. Avec une maison. Ah là, l'emplacement en tout. Oui, oui. D'accord. Pourquoi on, à la fin des Other Worlds, on finit toujours dans une dimension pétée? C'est ok. Les fées ont besoin de lumière et d'eau pour s'épanouir. Il n'y a pas d'eau ici, mais j'ai ce qu'il faut. T'as de la lumière. Maintenant, t'as pas d'eau. Oh, c'est joli ce que t'as fait là. La silhouette d'un miroir. C'est beau. C'est trop beau. Ah ah. Alors, serpent de mer. Serpent de mer, serpent de mer, serpent de mer. Ah, tu dois refaire la statuette. Oh, oh que ça a l'air dur. Oh que ça a l'air. Ok. Oui, encore. Oh bien. Je comprends pas du tout ce que je fais. Bah, t'as fait une tour en fait. T'as fait les fondations, t'as fait les bases d'une tour. 4 bougies. Là, oui, une bougie et la bougie. T'as pas une épée à avoir? Une épée rouillée là. Le reste. Voilà, donc là t'as les perrouillés. 4 papillons, papillons. Et voilà les 4 papillons, papillons, c'est une fleur. C'est bon. Mais ah non, t'en restes un. Manque un. Oui, pardon. Mais j'ai cru que t'avais les 4 papillons. Il y en avait 5. Ah, c'est pour ça. Moi je suis avec les 4 papillons. C'est ça ton serpent de mer? Bah faut croire, écoute. Non mais arrête. Le truc, je l'ai regardé, on aurait dit une grenouille géante. Oh, joli. Ah mais il faut quand même mettre du sable. Il faut surtout le réparer. Avec en fait, tu mets du sable en dessous, dedans, et ensuite tu. Voilà, et ensuite tu peux fermer peut-être. Ouais. Ah ah! Et voilà! Un crâne! Crâne, 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 crâne! Un os! Oh le fémur, t'as vu la taille du. Oh ton chien, il serait content avec ça! Bah voilà! Bah. Ouais. C'est quoi? Un bout de verre. Liquide brillant. Fragment de miroir. Toujours plus de miroir. Qu'est-ce qui s'y passera si on y trempe quelque chose? Tu crois qu'elle va se transformer en épée? Ça serait stylé. Oh, dommage. Ça aurait fait une espèce d'épée, ça aurait été trop stylé. Excalibur. Est-ce que tu peux ouvrir la boîte aux lettres? Encore? Je pense que je vais devoir disposer plein de miroirs. Ah, mais ça, ça va là. Mmh, encore. Hein? Ah. Ah. J'ai pas compris. Faut que je la charge en magie. Mais non, pas du tout. Le coup du chiffon sur la plante. Bof. D'accord, tu dois. Ok. D'accord, tu dois activer 6 plantes pour ouvrir un portail magique de fleurs. Je peux pas retourner voir le mec magique. Bah. Bah non, t'as trempé ton bout magique. C'est nul. C'est pas ce que je voulais dire. Encore ah. Un miroir. Oui, et justement, t'as les fragments. Là, qu'est-ce que ça veut? Là, ça veut une pierre. Bah, c'est pas ça, justement. Parce que tout à l'heure, ça marchait pas. Ah non, c'est parce qu'elle était pas chargée. Chargée. Ah, allez. Des fois, ça peut te demander les mêmes objets. Tiens. Bah, ça redemande toujours les mêmes objets, en fait. Bah non, ça a demandé une fois le miroir et deux fois la pierre. Non. Une fois le miroir, une fois la pierre, une fois le couteau. Ça a demandé deux fois le miroir? Oui. Ah bon, j'avais pas vu la première fois. Oh oh! Tellement de morceaux de miroir. Il a un truc dans le crâne. Ça lui faisait une coupe à la Johnny B. Cooter. Pas mal. Le trou, vous voulez l'utiliser. Okay. Hein? Sélectionnez un cristal, puis le trou, vous voulez l'utiliser. Oui, mais. Attends. Mm-hmm. Les amis, les motifs pour découvrir la bonne séquence, les flèches sont importantes. Je n'entends pas ce que tu dis. Et si t'essayes. Bah non. J'allais dire si t'essayes. Ah, attends, ils ont des motifs autour, je l'avais pas vu. Si t'es. Le grid, je peux pas le mettre là. Pourquoi? C'est quoi ta logique? Il n'y a pas de logique particulière.
Non, vraiment, il n'y a pas de logique particulière. Attends. Ça, c'est bleu. Oui, d'accord. Ça, c'est gris. Rouge. Oui, gris, pardon. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Hein? C'est ça qui est rigolo. Du rouge. Pourquoi ce serait du rouge? Parce que là, il y a ah, du... oui, pardon. Excuse-moi. Eh ben... ça, eh ben là, c'est du bleu. Noir. Donc ça, c'est vert. Ça, ça c'est bleu. Ça, c'est jaune. Ça, c'est bleu. Et ça, c'est gris. Ouais. Ça, c'est jaune. Et ça, c'est noir. Ça, noir. Ça, vert. Encore du vert. J'ai l'impression que le vert, il sert beaucoup. Ça, bah, pas plus que les autres. Ça... c'est le bleu, donc ça c'est rouge et ça c'est gris. Tada! GG. C'est marrant, on dirait des épices de loin. Waouh, elle est chargée. En moins de ma pierre. Bah, la grenouille satanique de la vérité a chargé ta pierre. Tiens, pierre chargée. Une nouvelle plante s'est épanouie. Je vais aller faire l'autre aussi. Ouais! Allez, c'est parti. Ah, c'est celle-là. T'avais regardé dans la boîte aux lettres, en fait? Ben, je pense que je puisse. Non, je sais pas. Resté par curiosité? Non, non, c'est bon. Au niveau de l'arbre, il y avait rien à faire. Ah, bah... les boules! Il en manque au moins deux. Va voir, près de la porte. Ah, bah voilà! J'y crois pas. Et à aucun moment, aucune cinématique de la porte ne m'est montrée. Oh, le miroir. Réparé, reconstitué, rétabli. Oui, mais il est pas chargé. Il faut le charger, charger. Oh non. Non, non, c'est tu vois. Non, c'est... il y avait que la pierre qu'il fallait charger. Hein. Et le couteau. Ouais, on l'a enduit de magie, mais enfin de ouais. Mais c'était marqué l'âme chargée, hein, j'ai rien inventé. Ok, ok. Bah techniquement, le miroir est chargé. Il est chargé de ton reflet énergétique. La magie en elle-même, c'est toi. Ok. Et le portail s'ouvrit. Oui, non, peut-être. Ah ah. Vers le trou de verre. Entrez dans la maison. Oula. Je reprends. Mm-hmm. Ouh là là, qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Stal. Faites disparaître dans toutes les cases pour briser. Non, faites disparaître toutes les cases pour briser la barrière magique. Le Doppelganger va essayer de réparer la barrière. Faites vite. Hein? Ah, c'est comme ce que j'ai fait moi. Bleu. Ouais. D'accord, rouge. Eh bah écoute, on va essayer de se grouiller. J'essaye de comprendre ton truc, hein. Je fais ce que je peux. Oh que c'est dur, oh que c'est dur, oh que c'est dur, oh que c'est dur, oh que c'est dur. Jaune. Jaune. Ah merde, il m'a bouché. Comment je fais? Quoi? Bah regarde, je sais pas, ça fonctionne plus. Ben bleu. Ah? Ah bon, ah oui, merci. Ok. Oh, ça va en fait, c'est pas si dur. Mais non, c'est pas dur. Ah, je te jure que je trouvais que ça avait l'air dur. Rouge. Jaune. Oui, oui. Jaune. Mais là, il joue un coup. Ah non, même pas. Des fois, j'ai l'impression qu'il joue un coup tous les deux coups. Violet, bah nickel, c'est exactement ce que je voulais. Et pour finir, rouge. Ah bah non, il y a le bleu encore. Ah bah non, il y a encore un jaune. On n'en voit pas la fin. Oh le salaud, ouais. Ah ah. Bleu. Merde. Faut quel sac. Faut que tu les fasses disparaître, alors il faut le truc du milieu, là. Ah, d'accord. Oh, ça va, honnêtement, j'étais large. Niveau coup, franchement, ça va. T'as vu? J'ai fait 15 secondes moins que toi. Attends, faut faire un truc, là. Meurs. Ok, il est pas mouru. Tu veux le faire ou je le fais?
Ok, alors attends, fais voir. Permuter les jetons pour les disposer correctement et ainsi détruire la barrière du doppelganger. Astuces, utiliser les motifs colorés autour des jetons, ils indiquent la solution. Des motifs colorés autour des jetons. Là, il y a des motifs, genre, sur le côté. Donc ça veut dire que... Là, c'est le jaune, par exemple. Ouais, par exemple. Oh là là, oh, c'est dur, hein. Enfin, c'est dur. Non, c'est à peu près ce que j'ai fait la dernière fois. Ok, tac, tac, tac. Ok, salaud. Eh ben, c'est bon. Et voilà. Non, ça va, c'est pas trop dur. Allez, on est parti. On est parti. Miroir. Oh, mais il est lourd. Tu veux bien mourir, oui. Qu'est-ce qu'il nous fait cette fois? Qu'est-ce que tu nous fais? Lorsque les disques arrêtent de tourner, alignez les disques intérieurs aux anneaux extérieurs. Le doppelganger va essayer de vous en empêcher. Certains disques intérieurs sont connectés à d'autres. Ils bougent de concert. Celui en haut, il s'est arrêté. Celui-là? Oui. Ok. Ah merde, t'es chiant. Oh là là, mais ça bouge de partout. Mais c'est super dur. Il faut t'attendre qu'il s'arrête. Ça s'arrête jamais. Mais si. Ah, ça met le temps quand même. Hein. Ça c'est bon. Ça c'est... Non, t'abuses. Non, il était bon, je crois. Oui, bah faut attendre. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il se remet à sa position de la dernière fois. Ouais, tu vois. Parce que là, il se remet en place. Ouais, il est pas bon. Ouais, mais il l'a bougé. Il bouge pas. Là, c'est pas bon. Ah, c'est bon. Non, mais moi, je me comprends. T'inquiète pas. Je sais ce que je fais, donc tout va bien. Bon, alors, le doppelganger là. Tu veux finir? Non, vas-y. Mais j'ai commencé. Ah bon? Toute la puissance dont il a besoin. Ma ha ha ha! Il a l'air vieux, épuisé. Donc il est vaincu? Donc il est vaincu et du coup Madame Thomas est sauvée. Eh bah très bien, bah je crois qu'on a fini le jeu. Mais du coup je suis déçu parce qu'on aura jamais le fin mot de toute cette histoire. On a pas l'hiver éternel, c'est énervant. Fiona. The real Miss Thomas was safe and sound, but our relief was temporary, for we still had a tough battle ahead of us. Miss Thomas was captured by the doppelganger before she could finish her work to learn about the origin of the shade. Hein? She was looking for an elder fae. La fameuse histoire du train. Older than mountains and forests. Only they know the shade's secrets. As autumn leaves started to fall, we knew what we had to do. We must find this elder fae and finish what Miss Thomas started, no matter what it takes. Oh! C'est le chat de Cheshire. Eh, on a mis presque une heure de moins que les autres Otherworlds. Ça se sentait qu'il était moins long. Bah, moi j'ai trouvé que ça se sentait au moment où on a terminé le premier niveau miroir en fait. Parce que je me suis qu'après les niveaux miroirs, c'était quasiment la fin en fait. Ouais, bah voilà. Écoute, c'était bien sympa. C'était plus dur que les premiers. Après j'ai pas compris pourquoi est-ce que ouais quand t'as moins de 14 ans tu peux pas y jouer. Ouais. Et oui, ce cliffhanger très énervant parce qu'on aura jamais la fin. Enfin je sais pas si on l'aura jamais, mais jusqu'à présent bah c'est dit qu'on l'aura pas parce que les développeurs ont arrêté, ils ont dit non. Mais c'est énervant, c'est hyper énervant. Je sais pas quand est sorti ce dernier Otherworld en fait, parce que s'il est pas si vieux,
En général, quand t'annules des projets, tu peux les reprendre plus tard. Mais vraiment, s'il y a une communauté qui suit derrière. Des jeux Big Fish, je dis pas, il y a une communauté pour ces jeux-là. La preuve, nous, on en fait partie maintenant. Mais je sais pas s'il y aura vraiment un gros nombre de joueurs au point de... Au point de débloquer du budget pour faire un 4ème Otherworld. Bon, et bah écoute, ouais, je suis surpris. Je suis surpris parce que je suis énervé, on n'aura jamais la fin. C'est perturbant. C'était bien. Ouais. C'était plus dur que les deux premiers. Tu trop. Ouais, franchement, il y a des énigmes qui m'ont fait un peu plus galérer. À part les énigmes du début, ça va aller. Coup ci, coup ça, ça dépend. Il y en avait beaucoup par contre, peut-être plus. Je sais pas, je... Je trouve que le jeu était plus court. Juste pour conclure un petit peu. Pour conclure. Pour conclure, du coup, par ordre, enfin par ordre de préférence, quel est ton The World préféré? Genre, parmi les trois, il n'y en a pas un qui t'a marqué? Ben non. Bah moi, c'est dans l'ordre en fait. 1, 2, 3. Ouais, par le premier. Par ordre de déclinaison. Le premier était bien. Hein. Non, j'ai beaucoup aimé le premier qu'on a fait la semaine dernière. Le deuxième était bien, mais après avoir fait le premier est meilleur. Le troisième est bien, mais en fait, tu sens que c'est juste un épisode de passage, en fait. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas à partir de là que le studio a dit « Ouais, on est sur le point d'arrêter parce que... » Je sais pas, c'était bien, mais pas aussi travaillé. Je ne sais pas. Bon, et bah écoutez, c'est très bien que ça se finisse plus tôt, puisque de toute manière, aujourd'hui, on est dimanche. C'était l'épisode un petit peu spécial... De rattrapage, vu qu'en fait on aura dû le faire hier, mais pour cause de travaux on l'a décalé. On espère tout de même que ça vous a plu. C'est donc, pour le moment en tout cas, la véritable fin d'Otherworld. D'Otherworld, vu que, enfin d'Otherworld, la série des saisons. Voilà, la série des saisons différées, l'été, l'automne et le printemps sans l'hiver. Voilà. Sauf que techniquement, la dernière fois on a fait l'hiver qui était en fait l'automne. Le printemps. Mais c'est dommage de pas avoir le fin mot de toute cette histoire, surtout que ça avait l'air sympa cette histoire de recherche de nains anciens qui possédaient les pouvoirs et la vérité, le fait de pouvoir vaincre l'ombre affaiblie. Et je me demande bien ce que ça aurait pu être le dernier monstre, parce qu'on a affronté l'ombre, le chasseur de l'ombre, le doppelganger, peut-être qu'on aurait droit à un démon, un sorcier, je sais pas, une espèce de gouloum, je sais pas, bref. On espère que ça vous a plu, jeunes gens. On vous fait de gros bisous à ceux qui regarderont la VOD. Désolé que ça s'arrête là. Nous aussi, ça nous énerve. On veut savoir la suite. Je veux savoir la suite, personnellement. Ça m'énerve. J'aime pas les histoires qui ne se finissent pas. On fait de gros bisous et on se retrouve très bientôt, soit pour des vidéos, soit eh bien pour un nouveau samedi Big Fish. Voilà. Ah oui, et n'hésitez pas à rejoindre le Twitter qui sera dans la description pour voter la semaine prochaine pour un nouveau samedi Big Fish. Bisous, Stal. Bazou. Et bisous à vous qui avez regardé ce live. A plus, tout le monde. Bazou.